Y va. J'y vais, hein. Ouais. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de regagner vos places. Nous allons commencer. Bonsoir. Donc, je suis Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs, et j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir dans cette majestueuse salle des conférences du musée océanographique pour une rencontre de notre cycle 2049, hein, qui est consacré à l'exploration des scénarios du futur et qui est consacré ce soir à l'océan. Alors, un grand merci à vous tous d'être venus malgré la crise sanitaire et dans le respect des consignes de cette crise sanitaire. Ce soir, nous sommes réunis pour une présentation en partenariat avec l'Institut océanographique de Monaco. Nous allons pouvoir débattre, assister à des présentations, des pitchs de start-up autour du thème de la santé, santé de l'océan, santé de l'homme. On comprend l'actualité du sujet. C'est un thème à la fois novateur et profond. Et bien sûr, nous souhaitons que vous vous y associez autant que possible et nous prendrons des questions ou des interventions de la salle, brève évidemment, au fil des interventions. Mais pour commencer, je vous demande d'accueillir Grégoire de Vessière, qui est directeur général de l'Obs et qui va vous dire en quelques mots quelle est la philosophie qui nous anime dans ce cycle de conférences sur l'avenir, pourquoi nous souhaitons un futur désirable. À toi, Grégoire. Oui, vas-y. C'est pas très Covid de se partager le micro. Non, c'est pas Covid. J'ai le grand bonheur de pouvoir enlever mon masque et de vous dire bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Deux mots, comme le disait Sylvain, sur ce cycle 2049 qu'on a lancé dans une période avant la crise. C'est la 17e édition de ce cycle de rencontres consacré donc à l'exploration de notre vie quotidienne dans 30 ans. Parce que pour imaginer la société dans laquelle on aura envie de vivre ou celle qu'on a envie de laisser à ceux qui vont arriver derrière, ben, il est important de prendre des choix structurants maintenant. L'océan, c'est pas très joli pour les photos, pardon. Et l'océan est un des thèmes majeurs, qui est la deuxième rencontre sur les océans, puisqu'on s'était vu pour certains d'entre vous à la Maison des Océans à Paris. Et on va poursuivre ce cycle autour des océans et réfléchir à l'impact sur la santé et le rôle de l'océan là-dedans. Ce cycle s'articule autour de plusieurs choses, une production éditoriale de l'Obs dans le journal que vous avez pu voir à l'entrée, sur une verticale sur le site internet que je vous invite à aller visiter, et aussi sur un numéro annuel, une nouvelle publication de l'Obs qui s'appelle « Notre vie en 2049 ». Qui, attention Cocorico, a été primé meilleur hors-série de l'année. Et donc, on est un peu fiers de pouvoir, dans un marché de la presse moribond, avoir pu lancer cette nouveauté. Parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, je voulais juste vous dire merci. Très bonne soirée, beaucoup d'échanges, parce que c'est ces échanges entre les spécialistes qui vont intervenir, ces startups, ces entrepreneurs, mais aussi vous. Donc, n'hésitez pas à intervenir et poser vos questions, parce que plus l'échange sera riche, plus ce sera nourri. Et je vais laisser la parole au directeur général de l'Institut océanographique, Monsieur Calcagno, pour vous dire quelques mots d'introduction. Bonne soirée. Monsieur Robert Calcagno. Monsieur Robert Calcagno, donc directeur général de l'Institut océanographique de Monaco, qui va nous introduire le sujet santé de l'océan, santé de l'homme. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur Sauvage. Madame la représentante de l'Assemblée parlementaire du Conseil national de Monaco, Monsieur le conseiller privé auprès de Son Altesse Sérénissime le Prince, je salue tout particulièrement les présidents invités de l'extérieur, Monsieur directeur général de l'Obs, Monsieur le Président d'Ifremer, Under de Paul, et puis les dirigeants et présidents, et surtout les amis qui sont ici présents dans cette salle. Alors, pour les habitués
du musée océanographique. Vous n'êtes certainement pas surpris que ce soir nous parlons de la santé de l'océan. Vous n'êtes pas surpris non plus que nous parlons du lien entre l'océan et l'homme. En effet, ça fait à peu près 110 ans que dans cette salle, l'Institut océanographique s'occupe de ça, organise des symposiums, des conférences. Maintenant, ce soir, nous avons un thème un peu plus ciblé, très ciblé même, qui est la santé de l'homme et la santé de l'océan, les interactions, les liens. Et ça, c'est un peu novateur, et pour tout vous dire, c'est de nos amis du Centre scientifique de Monaco. Je salue le professeur Rampal, Raps, allemand, qui sont ici ce soir avec nous, qui nous ont soufflé l'idée de cette conférence, puisque avant même la pandémie et en préparation du 60e anniversaire du Centre scientifique de Monaco, le professeur Rampal avait imaginé un grand symposium au mois de mai 2020 sur ce thème de santé de l'homme et l'océan. Malheureusement, les circonstances ont décidé que ce symposium a dû être reporté, mais rassurez-vous, Patrick, je crois que tu peux confirmer qu'il se tiendra les 2 et 3 décembre. Donc, notez vraiment cette date, ils sont inscrit fermement dans mon agenda parce que j'ai pu apercevoir dès d'initier les travaux qui ont été faits pour préparer ce symposium, mais l'ensemble des conférences, des délibérations qui vont être prises sont vraiment tout à fait intéressants et je crois qu'il y a de grandes avancées. C'est peut-être la première fois qu'un tel tableau et une telle synthèse est faite sur ce sujet. Alors, ce soir, donc, nous nous retrouvons pour parler de cette question. Je me souviens, lors de l'hiver de 2020, là, avant le confinement, le lockdown, on commençait à parler du Covid, et quand il était encore un peu éloigné de nous, un virus d'Extrême-Orient, on réfléchissait, mais d'où il vient, comment ça se fait qu'il apparaît, et on parlait pangolin, on parlait chauve-souris, on parlait déforestation, et tout ce débat était extrêmement utile. Yves Rémer y a beaucoup participé, et puis, bon, la Covid est arrivée ici, et là, l'urgence est devenue absolue, la lutte, la guerre de l'homme contre la Covid et ses conséquences sanitaires, économiques, sociales. Et on est arrivé un petit peu dans une logique court terme où finalement, on oublie un peu de se poser ces questions. Donc ce soir, je vous remercie vraiment d'être ici. Le directeur général de l'OFS se félicitait de la participation à cette conférence parce qu'on a un peu plus, ils ont un peu plus de mal à Paris de mobiliser les personnes. Et oui, vous êtes prêts ce soir à prendre un peu de recul. Bien sûr, gardez bien vos gestes barrières et c'est la raison pour laquelle la salle n'est pas tout à fait pleine pour que nous puissions être par groupe et éloignés. Mais prenons un peu de recul et réfléchissons à ces liens entre la santé de l'homme et la santé de l'océan. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment nouveau. Je prendrai mes papiers parce que j'aimerais vous lire la définition de la santé humaine selon l'Organisation mondiale de la santé, donc je pense que c'est une référence importante, et cette définition date de 1946, donc elle n'a pas été faite pour ce contexte. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie et d'infirmité. Et c'est bien ce contexte-là et cette santé-là dont nous allons parler ce soir. Et je peux d'ores et déjà vous dire que les recherches sur la biologie de l'océan ont déjà apporté 5 prix Nobel de médecine. Ce n'est pas rien. Des gens qui ont étudié la biologie et qui ont réfléchi à l'impact sur la médecine. Alors, je ne vais pas vous les citer tous les 5, mais quand même un
qui est particulièrement attaché à l'Institut océanographique, puisqu'au tout début du XXe siècle, le prince Albert Ier, au cours d'une ou deux de ses 28 campagnes d'exploration et à bord de ses bateaux Hirondelle, Princesse Alice, avait invité un grand médecin, professeur Charles Richer, pour travailler sur une question qui était la brûlure de la pélagie. La galère portugaise est une sorte, pas tout à fait, mais une sorte de méduse. Et le prince avait remarqué que ses marins se brûlaient quand ils ramenaient les filets. Et curieusement, plus le marin avait de l'expérience, et en gros, plus il se faisait piquer, plus la brûlure était douloureuse. Ça l'intriguait quand même beaucoup. Il a appelé Charles Richer et le professeur Portier à étudier cette question. Et ces personnes ont formalisé la notion de l'anaphylaxie, c'est-à-dire le contraire de la phylaxie. Aujourd'hui, je crois, Patrick, qu'on pourrait appeler ça l'allergie, en fait, et une maladie très importante du 21e siècle. Peut-être que tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Donc, prix Nobel de médecine en 1913, en étudiant la pélagie. Donc, c'est assez important. On parle là des maladies physiques. Si je veux parler du bien-être mental, et là aussi, je ne résiste pas à un petit clin d'œil Institut océanographique. Et je voudrais vous citer quelqu'un que peut-être certains d'entre vous ont connu. Il s'agit du professeur Maurice Fontaine. Alors, qui était le professeur Maurice Fontaine? En fait, c'était un de mes prédécesseurs ou collaborateurs, puisqu'il était directeur de la Maison des Océans, de l'Institut océanographique de Paris, donc la branche parisienne de l'Institut océanographique. Et c'était en 1988, donc il y a 32 ans. Et je me régale. Aujourd'hui, en notre époque où la multiplication des états anxieux pose tant de problèmes, certains médecins préconisent la pose d'aquariums peuplés de plantes et d'animaux au mouvement lent dans les chambres à coucher. De plus, les parents des élèves ayant suivi le stage d'une semaine à l'aquarium de ce musée ont constaté à la suite de celui-ci une plus grande motivation dans le travail et chez certains, un changement dans le comportement social. Alors, on essaye de faire évoluer les choses, de se développer, d'être novateur, mais sur ce point-là, depuis 32 ans, ça n'a pas changé. Tous les ans, nous accueillons de nombreux stages que nous appelons bains en entreprise, et j'identifie quelques parents qui nous ont confié leurs enfants. Et je crois qu'à l'issue de cette semaine, alors est-ce l'observation des poissons ou la qualité des équipes du musée océanographique, mais les enfants en sortent toujours plus apaisés, plus curieux, plus travailleurs. Et ça, c'est une très belle chose. Alors, je pourrais comme ça vous parler pendant longtemps, vous faire part d'observations, mais je crois que ça sera le but de cette soirée. Laissez-moi conclure en vous disant que l'observation est importante, mais l'action l'est également. Et Monaco, la principauté de Monaco, le gouvernement de Monaco, bien sûr, sous l'autorité du prince et avec le plein soutien de son conseil national, sont pleinement engagés dans ces questions-là. Et le 5 juin dernier, donc Journée mondiale de l'environnement, Monaco a rejoint l'appel à l'action, vous le savez bien, Excellence Bernard Fautrier, dans le cadre de la Grande Coalition pour une haute ambition pour la nature et l'homme. Et le ministre des Relations extérieures du gouvernement princier, du gouvernement de la Principauté de Monaco, a fait cette citation et a souligné à cette occasion « Cette pandémie apporte une preuve sans précédent et puissante que la nature et l'homme partagent le même destin et sont bien plus étroitement liés que la plupart d'entre nous ne l'ont réalisé. » J'en resterai là pour cette introduction et je vous redonne la parole, Monsieur Sauvage. Merci, Monsieur le Directeur. Merci beaucoup pour cette introduction. Qui nous fait effectivement réfléchir aux leçons de la pandémie. Pandémie qui nous incite à repenser notre rapport à l'environnement et à la santé, parce qu'elle illustre la fragilité de notre situation. Mais on peut aussi prendre conscience
des enjeux en écoutant des acteurs de terrain. Je vous invite maintenant à découvrir une vidéo, courte vidéo, mais très inspirante, qui a été tournée par nos équipes de l'Obs. Une journée de pêche avec Pierre Morera, qui est un pêcheur artisanal à la Londe les Morts. Et vous allez voir qu'il témoigne d'une sagesse qui devrait guider toute l'humanité. Merci à vous. C'est notre avenir, c'est la mer, c'est la santé de la mer. C'est pas compliqué. Le fait de travailler seul, ça permet d'avoir moins de frais et donc aussi d'avoir moins d'obligations de pêcher. C'est-à-dire qu'en réduisant mes frais, je peux me permettre de réduire mon chiffre d'affaires et de gagner la même chose. Donc forcément, je vais tuer moins de poissons. C'est parce que le chiffre d'affaires vient de la mort des poissons que j'attrape. Donc j'ai besoin de tuer moins de poissons pour nourrir ma famille. Et ça me plaît bien aussi. Mais à la base, je suis bien en mer seul. C'est ce qui me permet de mieux apprécier les humains quand je rentre à terre. J'ai besoin de ces moments de solitude en mer. Et la plupart des pêcheurs artisans, ils ont eu envie d'être justement des pêcheurs artisans. C'est-à-dire que tu as le paysan qui va être sur son tracteur géant dans les plaines de la Beauce et qui va faire du blé de manière industrielle, c'est son choix. Tu as le petit maraîcher ou le petit paysan qui fait autrement. Et c'est un choix, c'est vraiment un choix de vie. Mais on a la chance de vivre en pleine nature et en communion avec la nature. Et de vivre aussi, c'est une vie particulière, c'est vraiment la nature qui décide de ton rythme de travail. Et ça me correspond tout à fait. La palangre, c'est une longue ligne avec des hameçons en dérivation. Et cette ligne, soit tu la poses au fond de la mer, soit tu la mets entre deux eaux. C'est tout simplement magique. Le poisson, il est vivant, c'est une peinture. Au palangre, les poissons montent vivants en général. Donc les petits poissons qui sont sous terre, je les rejette vivants. Et ça me fait plaisir. C'est une des joies de mon métier. Ah, il y a un poisson, voilà. Il y a un cerf vivant. Il y a la beauté du palangre. Des gens qui sont hyper spécialisés sur une seule espèce, mais toute l'année, font finalement du mal à l'espèce. Alors que si tu tournes, tu fais un mois ou deux mois une certaine espèce ou certaines espèces, puis deux mois tu fais un autre travail, après tu fais une autre pêche, une autre pêche, une autre pêche. C'est une meilleure gestion, je pense. C'est un filet à trois nappes. Il y a une maille centrale et deux nappes qui encadrent cette maille centrale. Voilà, maintenant c'est la roue de la fortune. C'est-à-dire, s'il y a du poisson, pas du poisson, ça c'est le bon Dieu qui décide. Ah, un poisson, on va le rejeter. C'est un bébé raie. Par contre, il faut y faire attention parce que c'est le dard. Tu vois le dard là? Tu t'inquiètes sur ça. Donc, on va la rejeter de suite. Et voilà. Elle est partie, elle vit. Il y a certains types de pêche qui ont fait vraiment n'importe quoi et qui ont détruit, voilà, qui ont pêché pour jeter. Et ça, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on jette ce que la nature nous donne pour nourrir, pour nous nourrir. Et c'est comme si on tuait des gens. Pour moi, c'est la même chose. D'où la fameuse polyvalence. Le fait de pratiquer des pêches différentes avec des matériaux différents, de façon à arrêter de pêcher une espèce, lorsqu'elle se reproduit, de la laisser tranquille. Comme ça, c'est une pratique qui me semble vraiment basique et très importante. De toute façon, les arcs, il y a des ailes. Alors, il a des ailes et il vole au fond de l'eau. Alors, on a des petits quotas, c'est-à-dire au thon rouge cette année, on a droit à 1,2 tonne. Mais par contre, ça fait une polyvalence supplémentaire. Donc, lorsque je suis au thon l'espadon, je ne pêche pas de langoustes, je ne pêche pas des sardes, des dorades ou autre chose. Et donc, du coup, le milieu se régénère. C'est une très bonne chose aussi parce que l'espèce des thons rouges va très très bien. Aujourd'hui, se porte très très bien, même si en France, tu as 90% du quota qui est monopolisé par la pêche industrielle. Et donc, nous, par contre, on se bat et moi, je me battrai jusqu'au bout. Pour que ce quota soit réparti plus justement. Il y a un joli pajot. Oui, il est beau le pajot. Ah oui, il est beau le pajot. Il y a les sards, ce mot-là. Ouais. Il est magnifique. Ah ouais. Les petits pêcheurs, c'est les grands oubliés. Et à un moment donné, il va falloir réagir.
l'injustice entre les gros pêcheurs industriels et les petits pêcheurs. Un exemple, un chalutier qui fait 162 mètres, en une journée, pêche ce que fait 5 petits chaluts de petits pêcheurs sur un an. Si on a une consommation durable, on aura du poisson dans l'océan dans 20-30 ans. Si on continue à acheter tout et n'importe quoi parce que la tradition dit qu'il faut bouffer des huîtres à Noël et puis qu'il faut manger du saumon comme ça et puis, et qu'on n'arrive pas à sortir de ces habitudes-là, ça va très mal se passer. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de plus difficile que changer nos habitudes. Si on a envie que cette terre magnifique dure et que ça reste magnifique, il va falloir changer. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et nous allons maintenant en débattre. J'appelle le professeur Patrick Rampal, président du Centre scientifique de Monaco, François Houllier, président directeur général de l'IFREMER, à se diriger vers la scène, et également Olivier Dufourneau, qui va animer notre première discussion sur le thème santé de l'océan, santé de l'homme. Est-ce que vous avez tous des micros qui ont été préalablement désinfectés ? Oui. À vous. Merci Sylvain. Mesdames et messieurs, bonsoir pour cette première table ronde qui va nous amener directement au cœur du sujet. J'ai le grand plaisir d'accueillir deux éminents spécialistes du sujet qui, depuis des années, planchent sur l'interrogation qui nous intéresse ce soir. Donc le professeur Patrick Rampal est président du Centre scientifique de Monaco. Le Centre scientifique de Monaco, on le connaît bien ici et on l'apprécie parmi les premiers experts mondiaux en biologie des écosystèmes coralliens. Mais ce soir, on va découvrir aussi que le Centre scientifique de Monaco est impliqué dans cette thématique santé humaine et océan, et notamment depuis 2014 à travers le pôle santé humaine de son département de biologie médicale. Ça a commencé par des études sur les médicaments anticancéreux issus de la mer. Et puis, en 2016, le Centre scientifique de Monaco a été reconnu centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé, qui a mis dans son mandat pour ce centre collaborateur évaluer l'impact des océans sur la santé afin d'aider à mieux comprendre la dimension sanitaire de l'objectif de développement durable numéro 14 sur la vie aquatique. Donc véritablement, on voit l'importance à un niveau international que cette question peut prendre l'intervention du Centre scientifique de Monaco. Entre autres activités, l'équipe écosystème et immunité, donc du département de biologie médicale, étudie les relations entre les hôtes et les bactéries pathogènes au sein d'un modèle qui est une anémone de mer. Donc on revient à cette idée de modèle qui a donné des prix Nobel et on espère que ça en donnera encore. Le Centre scientifique de Monaco étudie aussi, dans une approche transdisciplinaire, les liens entre les perturbations environnementales, on va y revenir, telles que le réchauffement planétaire ou l'acidification de l'océan, et les conséquences socio-économiques, donc directement les activités humaines. Et puis, au fil des ateliers d'experts, le Centre scientifique de Monaco s'est lancé en mars 2019 dans la coordination d'un rapport international sur les liens entre santé humaine et pollution des océans. Un rapport qui a associé près de 50 auteurs de 15 pays différents. Le rapport sera rendu public le 3 décembre prochain dans le cadre du symposium dont Robert Calcagno vient déjà de vous parler. J'accueille aussi M. François Houllier, donc président directeur général de l'IFREMER, grand institut de recherche et de développement technologique lié au monde de la mer, qui vise à la fois à exploiter les ressources marines de manière durable, responsable, mais aussi à protéger et à restaurer
l'océan, à partager les données entre les différents acteurs et partager la connaissance de l'océan. Au-delà de la recherche, l'IFREMER apporte son expertise aux décideurs publics français et européens pour développer et organiser les différentes activités marines, de la pêche, on vient d'en parler, aux minerais des grands fonds, en passant par les nouvelles activités telles que les biotechnologies marines. L'IFREMER s'intéresse aussi aux effets des perturbations environnementales sur ces activités et a par exemple signé avec l'ANSES un partenariat pour mieux étudier les contaminants des produits de la pêche. Au début de l'été, l'IFREMER a pu nous rassurer après que son laboratoire santé, environnement et microbiologie a recherché des traces de coronavirus dans l'eau de mer pour finalement établir que ce virus ne peut pas survivre dans l'eau de mer. Ça a sauvé notre saison d'été et le plaisir de la baignade, mais bien au-delà, c'est véritablement une question fondamentale pour l'ensemble des activités marines. Mais je signalerai aussi que la vision de François Houllier, elle dépasse le seul cadre marin, puisqu'il est depuis avril dernier le président de l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement, qui est l'organe de coordination de la recherche environnementale française. Et notamment, dans ce cadre, l'ANVI développe les approches interdisciplinaires telles que One Health, qui articule santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes. On y reviendra, et de même que le développement des sciences de la durabilité. Donc, une fois cette introduction faite, j'ai le plaisir de donner la parole à Patrick Rampal. Alors, sans déflorer le rapport qui va être rendu public en décembre, je voudrais qu'on commence avec une relecture de la santé de l'océan. Bien souvent, on pense que protéger l'océan, c'est une affaire de poissons, une affaire du milieu naturel. Mais on va regarder ce soir les effets boomerang sur l'homme et mieux comprendre quels sont les enjeux pour notre santé des pollutions de l'océan. Patrick, je te confie un micro et la zapette. Branché, oui. Ouais, c'est bon. Bonsoir, je suis heureux de commencer la soirée. Encore que ce que je vais vous dire est un peu triste parce que ce sont pas de. Enfin, on dirait. On est plein d'espoir depuis qu'on a vu ce qui s'est passé pendant le confinement, puisque le confinement dû au Covid a permis de nettement améliorer la pollution atmosphérique. Et en 2 mois de confinement, on a eu des améliorations considérables. Donc, on peut penser qu'avec une politique extrêmement proactive, on pourra aussi améliorer la situation des océans. Alors, voilà, je vais donc vous parler des interrelations entre la pollution des océans et la santé humaine. Nous avons besoin des océans pour vivre. Nous avons besoin des océans parce que 70% de l'oxygène que nous respirons est issu des océans. Ce sont les plantes marines qui génèrent cet oxygène. La quasi-totalité de l'eau que nous utilisons pour notre vie est issue de l'océan aussi. Et 30% du CO2, le gaz à effet de serre, est résorbé par l'océan et permet donc, l'océan, en résorbant le CO2, permet donc d'avoir une atmosphère respirable. De même, plus de 2 milliards de personnes tirent de l'océan plus de 50% de leur apport protéique. Donc, sans les océans, ils ne pourraient survivre. Donc, on a vraiment, et nous-mêmes, avons besoin des acides gras oméga-3 qui sont bons pour notre santé, vous le savez tous, et qui sont recommandés par tous les nutritionnistes et qui proviennent de certains types de poissons. Donc, nous avons besoin des océans, et les océans sont en grand danger parce que ces océans sont extrêmement pollués. Je suis affolé de voir que sur cette diapositive, on dit que 2 milliards de tonnes de déchets sont apportés dans les océans tous les ans, déchets tout confondus. Mais ces déchets, je voudrais ce soir surtout commenter à partir de 3 types de déchets et voir leurs effets sur la santé humaine. D'abord, les plastiques, vous en avez tous entendu parler.
ensuite les déchets organiques et ensuite les déchets biologiques. Alors les plastiques, vous connaissez tous cette horrible diapositive où on voit une pauvre tortue qui est absolument étranglée par un filet. Les déchets, ils sont immenses comme les filets, bien sûr, en plastique, je parle du plastique, mais ils peuvent être aussi microscopiques comme les microplastiques ou les macroplastiques et provenir de l'industrie cosmétique où certains types de crèmes, certains types de dentifrices sont véhiculés par des microbilles qui sont aussi des déchets plastiques. Et on sait que ces déchets, ils vont survivre entre 50 et 500 ans puisqu'on estime qu'il faut 500 ans pour que la transformation biologique de ce filet puisse être complète. Ces déchets, on les trouve partout, mais surtout dans certaines zones. Les grands tourbillons, puisqu'on a été amené à même définir le septième continent, les grands tourbillons de déchets, dont vous savez que le plus grand est dans le Pacifique Nord, juste, et qui est un déchet, est un tourbillon qui a la superficie d'à peu près la moitié de l'Europe. Donc, cette zone du Pacifique Nord est particulièrement... Et tout ce que je vais dire, il faut le pondérer parce que je vais vous donner des résultats dans des zones particulièrement exposées. Nous sommes, heureusement, en Méditerranée, un petit peu moins exposés. Mais le Pacifique Nord est la zone la plus exposée à la pollution des océans pour une raison très simple, c'est que le Pacifique Nord est exposé aux dégradations de l'environnement qui se passent en Asie et en particulier en Chine, et les courants et les vents ont une direction sud-nord et ouest-est, ce qui fait que le pôle nord, et les, par exemple les Inuits, qui vivent théoriquement dans un univers préservé et extrêmement sain, sont au contraire extrêmement pollués par tout ce qui émane donc de pollution de la côte asiatique et en particulier aussi le contact des produits de la pêche avec ces tourbillons océaniques. Donc, il n'y a pas que le... Heureusement, on n'en a pas encore en Méditerranée de ces immenses îles de déchets, mais on voit l'importance du phénomène. 90% des oiseaux ont du plastique dans leur estomac. Donc, c'est absolument impressionnant de voir la diffusion de ce... Et au niveau des poissons, on sait que les poissons vont suivre donc un phénomène assez classique. Les déchets sont rejetés sur la vie terrestre. Dans certaines régions, descendent dans les rivières, vont être fragmentés dans la mer sous l'influence des rayons ultraviolets, les déchets plastiques vont être fragmentés en microplastiques et ils seront consommés par les poissons, par les différents types de poissons. Et cette diapositive est importante parce qu'elle montre le phénomène biologique qui est le phénomène du cursus biologique de ces déchets. Donc les déchets sont de petits formats, absorbé par le phytoplancton, consommé ensuite par les zooplanctons, et on va assister à un phénomène d'amplification en fonction de la génération de poissons qui est impliquée. Et plus les poissons sont gros prédateurs, plus on assistera à une concentration de ces déchets. Donc, ce type de... Les poissons les plus gros prédateurs, comme le thon, comme les requins, sont extrêmement chargés en polluants. Et cela est valable pour les plastiques, mais aussi pour tous les déchets qu'on aura à mentionner. Alors, ceci amène deux conséquences. La première, c'est qu'il faut essayer d'éviter de consommer dans les zones exposées à l'excès des gros prédateurs. Et il a été démontré que la consommation excessive de saumon, par exemple, aux îles Faroé, dans le Pacifique Nord, dans des zones polaires, entraînait ces conséquences extrêmement significatives sur la mère, pendant la grossesse, sur les enfants qui sont en gestation. Ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il faut essayer d'éviter au maximum de consommer l'appareil digestif des poissons. Donc, vider les poissons, parce que le plastique est stocké dans le tube digestif. Bien sûr, cela est facile pour les gros prédateurs, c'est beaucoup plus difficile pour les petits poissons.
Alors, la question qu'on peut se poser à ce stade, c'est est-ce que ces déchets de plastique sont pathogènes ? Est-ce qu'ils vont provoquer des maladies ? Alors, chez les poissons, chez les produits de la mer, bien sûr, on a vu tout à l'heure que par des phénomènes mécaniques, ils peuvent entraver la vie des poissons ou des animaux de la mer. Ils peuvent aussi provoquer, parce que par leur effet mimétique, provoquer des occlusions intestinales qui sont incompatibles avec leur survie chez beaucoup d'animaux de la mer. Mais chez l'homme, stricto sensu, on n'a jamais pu démontrer encore que les déchets plastiques avaient une action pathogène. On sait que l'homme ingère des déchets plastiques. On estime à environ 100 000 par an pour un individu moyen la quantité de plastique ingéré. On sait qu'on retrouve dans nos selles, des fragments plastiques. On retrouve à peu près 20 particules de sel, 20 particules de plastique par 10 grammes de sel. Ça a été bien démontré dans une étude assez récente chez des sujets qui vivent au bord de la mer. Donc, il n'y a pas de retentissement pathologique stricto sensu du plastique. Par contre, ces plastiques ont deux effets délétères extrêmement préoccupants. Le premier, c'est celui-ci, c'est que ces plastiques vont se comporter dans un milieu marin, qui est un milieu, comme cela a été évoqué tout à l'heure, qui est plein de microbes, plein de bactéries, plein de virus. Ils vont se comporter comme autant de radeaux pour les bactéries. C'est-à-dire que dans un milieu qui est extrêmement connecté, qui est en plein mouvement, les agents bactériens s'approfitent ou pathogènes vont pouvoir être véhiculés d'une manière très importante. Vous avez représenté ici donc des microbes colonisant des fragments de plastique. Il a même été dit par les auteurs anglo-saxons que les bactéries font du stop, font du hitchhiking sur les déchets plastiques. Donc, ces déchets plastiques vont être colonisés par des bactéries qui pourront transiter sur le plancton, sur les poissons, et bien sûr, éminemment, sur les coquillages, qui sont de puissants filtres, qui filtrent de l'eau toute la journée, et qui, de ce fait, sont extrêmement soumis à un enrichissement bactérien, et ce qui peut être, bien sûr, à l'origine de toxi-infections alimentaires générées par les coquillages. Alors ça, c'était à propos de l'effet donc bactérien du plastique, mais le plastique peut avoir un autre effet pathogène, c'est qu'il véhicule des polluants organiques persistants, des POPs. Le plus connu d'entre eux, parallèlement, d'autres polluants organiques, on en discutera tout à l'heure, ce sont les hydrocarbures, bien sûr, et les métaux toxiques. Alors, si on s'intéresse donc au premier de ces polluants, qui sont les POPs, le plus connu est le biphénol A, qui a été largement mentionné par des discussions entre la France et l'Europe concernant son interdiction ou sa non-interdiction. Le biphénol A n'est pas proprement parlé un plastique, mais il est utilisé pour rendre le plastique plus solide. Donc, il est incorporé dans les plastiques. Et c'est un modificateur endocrinien considérable. Il mimique les œstrogènes et de ce fait, il a un effet biologique de type œstrogène important sur les différentes fonctions qui sont gérées sur lesquelles les œstrogènes ont une action. Et ce biphénol A, il est absolument dans pratiquement toutes les préparations plastiques, en particulier pour les enfants, tant et si bien qu'il a été retiré dans une indication particulière, qui est la réalisation des biberons, car il a été considéré comme pouvant être dangereux chez les enfants en cours de croissance. Alors, à côté du biphénol A, le risque des différents composés toxiques incorporés dans le plastique est considérable, car ils sont très nombreux, des phtalates, la dioxine, dont on a beaucoup entendu parler, plusieurs produits que l'on retrouve dans tous les types de plastique et qui sont utilisés dans des fonctions diverses,
pour retarder les flammes, pesticides, ou au contraire pour faire constituer des films à l'intérieur des boîtes de conserve, ou donc extrêmement généraux comme indication, avec des effets biologiques qui sont tous soit de perturbateurs endocriniens, soit pour certains d'entre eux plus toxiques, même à forte dose, cancérigènes. Donc, on a là un risque potentiel donc en consommant à forte dose des produits de la mer qui sont fortement concentrés en ce type de polluants. Alors, si l'on regarde après ces polluants organiques, il y a les hydrocarbures. Je serai très rapide là-dessus, puisqu'on connaît tous les effets secondaires des marées noires, à la fois les effets immédiats et puis les effets à long terme. Pour m'arrêter, par contre, plus longuement sur les métaux lourds. Les métaux lourds, on pense que le mercure, les intoxications au mercure disparaissent, mais c'est vrai que le mercure métal est très peu utilisé à l'heure actuelle. Mais par contre, le mercure provient essentiellement de deux origines. La première qui ne nous concerne pas beaucoup ici, c'est l'orpaillage. Vous savez que ça permet de séparer l'or de l'or de son substrat dans certaines mines d'or. Mais on estime qu'à peu près 2000 tonnes de mercure sont utilisées par tous les ans, non pas par des techniques industrielles, mais uniquement du fait de la combustion des énergies fossiles. Car la combustion du charbon libère du mercure qui va partir dans l'atmosphère et qui, dans des conditions favorables, va se précipiter dans les océans et contaminer certains types de poissons. Donc la contamination par le mercure est un problème important, a été démontré d'une manière tout à fait significative, et il a même été démontré que le fait d'être contaminé par le mercure en dosant dans les cheveux de mères gestantes le mercure pouvait avoir une incidence à la naissance sur le quotient intellectuel des enfants. Il y a eu des études, des simulations qui ont été faites pour démontrer que le risque du mercure sur le plan de la planète est considérable, car il atteint le développement intellectuel des enfants quand les mères sont confrontées à une alimentation riche en gros prédateurs. Et les travaux avaient été démontrés dans les îles Faroé à partir de la consommation importante de saumon. Donc le mercure est aussi quelque chose qui est très dangereux et qui mériterait d'être supprimé de par l'éviction des énergies fossiles. Alors maintenant, on va terminer sur le troisième point qui concerne les éléments nutritifs. Les éléments nutritifs qui sont extrêmement riches puisque la vie sur la Terre utilise énormément d'activités avec à la fois agricoles et d'élevage et donc provoque bien sûr des éliminations importantes par les émissaires, utilise des engrais en quantité, provoque aussi la production de manière très importante de déchets d'origine animaux et aussi les éléments extrêmes auxquels nous sommes confrontés libèrent de l'eau d'une manière brutale dans la mer, ainsi qu'aussi l'aquaculture, qui est aussi un enrichissement important en azote et en phosphore de nos mers. Eh bien, cet azote et ce phosphore de nos mers va avoir deux conditions, deux conséquences. Dans un moment où les mers se réchauffent, où les mers s'acidifient, vous connaissez le problème de l'acidification des océans, et en plus où les mers voient tomber leur degré de salinité compte tenu de la fonte des glaciers, eh bien, ces quatre phénomènes confondus, l'enrichissement en azote et en phosphore et ces phénomènes climatiques et environnementaux, vont provoquer deux types de possibilités, de complications. La première, c'est la création de d'efflorescences d'algues toxiques. Vous avez, par exemple, donc
l'apport d'azote et de phosphore va augmenter considérablement la production de phytoplancton, qui permettra à certains types d'algues de proliférer, qui vont consommer de l'oxygène et qui vont provoquer ainsi, avec une désaturation en oxygène dans les océans, en bordure de mer, l'efflorescence d'algues toxiques. Et nous arrivons à ce que nous voyons régulièrement, qui sont ces marées vertes, qui sont extrêmement toxiques, et pour l'homme, et pour la flore, et pour la faune marine. Parallèlement, dans le même ordre d'idée, je terminerai là-dessus, la dernière diapositive vous rappelle que l'océan est un milieu qui est extrêmement riche en bactéries et en virus de toutes sortes, et que ces bactéries, qui peuvent être pour certaines qui sont saprophytes, c'est-à-dire qui sont nécessaires à la vie de l'océan, certains coraux, par exemple, ne peuvent vivre qu'avec certaines souches bactériennes d'une manière commensale, c'est-à-dire qu'ils tirent bénéfice de l'existence de ces bactéries en leur sein pour se développer correctement. Mais aussi, certaines bactéries pathogènes peuvent être aussi apportées par les émissaires et peuvent être transmises par les océans. Et donc, on a un risque avec l'augmentation à la fois de l'apport nutritionnel et les phénomènes de réchauffement que j'évoquais tout à l'heure, de voir se transformer l'écosystème océanique. Et vous avez représenté ici les conditions favorables en rouge. Plus la couleur rouge est forte, plus elles sont importantes à l'heure actuelle au développement d'une souche bactérienne extrêmement importante que sont les vibrions. Les vibrions dont le représentant le plus connu, le vibrion colérique, mais dont il existe beaucoup de types de vibrions, eh bien, on voit les souches favorables. Et on est surpris d'ailleurs de voir que, par exemple, en mer Baltique, qui était une mer traditionnellement assez saine, compte tenu de la désalinisation de la mer et compte tenu aussi du fait que c'est une mer qui est pratiquement fermée comme la mer Méditerranée, il y a un risque important et il y a régulièrement des épidémies d'intoxication par les vibrions. Eh bien, il y a une projection qui a pu être faite qui dit que si on ne change rien à notre conduite à tenir, eh bien, en 2100, les conditions favorables pour ce type de virus, ce type de bactérie qui n'est qu'un témoin de l'état de la mer, pourrait s'étendre considérablement atteindre une grande partie du globe. Donc c'est conscient de ce problème que nous avons voulu développer le congrès qui a été largement mentionné tout à l'heure par Robert Calcagno et par Olivier. Donc, entre le 2 et le 3 décembre 2020, qui était prévu au départ pour être un congrès présentiel, mais qui sera aussi maintenant un congrès sur le web, auquel vous êtes tous invités, si vous voulez vous brancher et profiter des différents exposés qui sont en anglais, des différents exposés qui seront faits par des spécialistes internationaux, vous serez les bienvenus. Nous espérons, à partir de ce congrès, édicter un certain nombre de recommandations qui pourront être relayés par les politiques pour essayer, dans les années à venir, d'avoir une politique de prévention et d'amélioration de l'état de l'océan extrêmement dynamique. Je vous remercie. Merci, merci Patrick pour cette présentation très, très complète, cette mise en garde quand même assez inquiétante. Qui pousse à l'action. Ne perdons pas pour autant, évidemment, l'espoir. Et maintenant, je voudrais qu'on regarde le verre ou l'océan à moitié plein. Et je demande à François Houllier de bien vouloir nous projeter dans ce qu'on peut attendre de l'océan tant qu'on ne compromet pas le fonctionnement des écosystèmes. Qu'est-ce qu'on peut en espérer, à la fois en termes de bienfaits qui sont d'ores et déjà avérés ou ceux qui sont attendus pour l'avenir? Merci. Merci pour l'introduction. Je suis très heureux d'être invité et d'avoir l'occasion effectivement de parler de ce sujet de santé de l'homme et de santé de l'océan et des liens qu'elles entretiennent. Sur certains points, je vais revenir sur des choses
qu'a dit Patrick Rampal ou qui ont été évoqués tout à l'heure par M. Calcagno dans son introduction. Alors là, je puis ici. Une des choses qui a été évoquée tout à l'heure par Robert Calcagno, c'est ce concept de santé unique qui unirait la santé de l'homme, celle qui nous intéresse en premier lieu, la santé des animaux, et puis la santé des écosystèmes et de l'environnement. Ce concept n'est pas radicalement nouveau, il date en gros de 2004, donc une quinzaine d'années. Il a cependant été beaucoup plus développé. Alors, son émergence est liée au fait qu'on a pris conscience, à l'occasion d'épidémies antérieures à celle de la Covid que nous connaissons actuellement, de l'importance des maladies qui sont communes aux animaux et aux hommes ou qui sont transférées des animaux vers les hommes. Mais on a aussi pris conscience à ce moment-là que les modifications de l'environnement que nous générions, par exemple la déforestation qui a été évoquée tout à l'heure, pouvait favoriser les interactions entre hommes et animal et générer de nouvelles pandémies ou de nouvelles épidémies. Ce concept est moins développé en mer qu'il ne l'est sur Terre. Alors à cela, je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est que l'homme n'habite pas la mer, ou très marginalement. Et puis la deuxième raison, qui peut d'ailleurs être liée à la première, c'est que finalement, il y a moins de maladies humaines, de zoonoses, qui pourraient venir de la mer qu'il y en a qui viennent de la terre. Alors pour autant, cette question du lien entre santé humaine et santé des océans est une question qui est de plus en plus étudiée. Alors je prends ici à témoin un travail qui est mené au niveau européen. L'IFREMER n'y participe pas, mais un certain nombre d'instituts travaillent sur cette initiative européenne qui s'appelle Seas, Oceans and Public Health in Europe, SOFI, et qui regarde justement les relations entre... alors, vous ne verrez pas ici la santé animale, mais vous voyez la santé de l'océan, vous voyez la santé humaine, et puis vous voyez aussi la santé de l'environnement et de l'océan et les activités humaines prises globalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il considère dans ce projet, dans ce programme, trois grands axes. Alors, il y en a un sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui est évoqué tout à l'heure par Robert Calcagno quand il citait 1988, je crois, un professeur qui était présent ici à Monaco. C'est le deuxième axe, hein, c'est finalement les aménités qui sont produites par l'océan, c'est le bien-être qu'on peut retirer de sa contemplation ou de la contemplation des aquariums. Enfin, c'est toute une série de bienfaits qui sont liés non pas directement à des médicaments et non plus à l'alimentation. Et moi, je vais plutôt vous parler donc des deux premiers axes, ou les illustrer rapidement, revenir un peu sur les questions d'alimentation, que tout à l'heure Patrick Rampal a évoqué rapidement, puis ensuite parler plutôt de l'océan comme une ressource pour la santé humaine au sens médicamenteux ou pharmaceutique. Alors, l'océan est-il une source durable d'aliments essentiels pour notre santé? C'est la première des questions que je voulais regarder. Alors, ça a déjà été évoqué tout à l'heure par Patrick Rampal. On sait qu'il est bon de manger des produits de la mer s'ils ne sont pas contaminés par du mercure, par exemple, et puis dans des quantités qui soient raisonnables. On sait que c'est bénéfique, par exemple, au titre des fameux acides oméga-3. Il faut quand même pour que, et je reviens à la diapositive d'avant, non seulement savoir que c'est bon pour notre santé, mais il faut que ce soit durable. Et donc la question de la durabilité est là essentielle. Et si on regarde la situation mondiale, on sait qu'aujourd'hui, une grande partie des populations, je déteste le terme de stock de poissons, donc vous ne m'entendrez jamais parler de stock de poissons, c'est des populations vivantes, mais qu'une grande partie des populations de poissons sont surexploitées. Si on regarde la situation en Europe et notamment en France, elle s'est améliorée au cours des 20 dernières années. Aujourd'hui, il y a de l'ordre de la moitié des espèces qui sont exploitées de manière considérée comme durable. Donc on peut considérer que le verre s'est progressivement rempli et que les efforts qui ont été menés, par exemple au titre de la politique commune des pêches, ont permis d'améliorer la situation. Mais le verre n'est pas plein. Il y a encore des populations qui ne sont pas exploitées durablement. Une des questions qui se pose, et ça j'ai pris une image qui peut être pas lisible, mais qui est intéressante parce que c'est un article du Lancet, qui est une des plus grandes revues qui existent dans le domaine médical. Et cet article a été co-signé à la fois par un des meilleurs nutritionnistes qui soit, qui travaille à Harvard, Walter Villette, et puis aussi par un des meilleurs écologues terrestres qui existe, qui est David Tillman. Et ils ont regardé l'ensemble des régimes alimentaires à l'échelle de la planète. Et ils ont notamment essayé de définir, c'est la droite verticale, une sorte de régime alimentaire de référence qu'il faudrait pouvoir suivre.
Ils ont évidemment constaté qu'il y avait une surconsommation de viande rouge. On observe au passage que selon les régions du monde, on consomme plutôt plus de poissons ou plutôt moins de produits de la mer que ce qui serait l'idéal. Et donc, ils argumentent sur un rééquilibrage des régimes alimentaires si nous voulons avoir un développement qui soit durable et puis qui soit bon pour les populations humaines. Dernier point sur cette question de la pêche, qui a été évoquée tout à l'heure dans le petit film, c'est effectivement cet enjeu de la durabilité. Aujourd'hui, en France, on n'est pas très loin du régime évoqué dans l'article du Lancet que je citais tout à l'heure, pour la partie consommation de poissons. Après, on mange trop de viande rouge, par ailleurs, et pas assez d'autres choses, mais c'est pas là-dessus qu'il faudrait faire d'efforts. Cela dit, les populations humaines sont en croissance. Il y a donc une demande croissante de produits de la mer. Et il y a un article encore assez récent qui vient de paraître et qui montre que finalement, cette demande croissante de produits de la mer, ce n'est pas la pêche qui pourra les fournir. La pêche est déjà en gros à saturation. Les modèles, les meilleures hypothèses permettent d'imaginer qu'on puisse améliorer la production de poissons sauvages par la pêche de l'ordre d'une quinzaine de pourcents à l'échelle du globe. Et donc, à un moment ou à un autre, si on veut augmenter la production de produits de la mer, le potentiel d'accroissement durable, on va le trouver dans l'aquaculture, pourvu que cette aquaculture elle-même soit durable, ce qui pose d'autres enjeux qui ont été évoqués rapidement tout à l'heure. Deuxième volet, l'océan est-il un réservoir de ressources pour prévenir ou soigner des maladies? Alors, je ne vais pas redire ce qu'a dit Robert Calcagno. Voilà, la biodiversité marine, qu'elle vienne des oursins, qu'elle vienne des anémones de mer, qu'elle vienne du calmar, a été à l'origine d'un certain nombre de découvertes majeures. Et des découvertes qui ont fait ensuite des retentissements, non seulement en termes de biologie fondamentale, mais aussi en termes de santé, in fine. Donc, clairement, il y a là, en tout cas, à minima, une source d'inspiration ou une source de découverte, une source de connaissance. J'ai repris ici une diapositive que m'a passée un collègue de l'IFREMER, Philippe Gouletker, et il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Un océan de promesses ». Il y a beaucoup de jeux de mots sur l'océan, de solutions, de promesses, etc. Un océan de promesses dans lequel il listait il y a quelques années le nombre de produits pharmaceutiques qui étaient approuvés en milieu clinique. Donc il y en a. Il y en a aujourd'hui encore plus dans le pipeline. Et si on pouvait regarder plus en détail la diapositive qui est là, on verrait à nouveau qu'il y a une diversité de maladies qui sont traitées par une diversité de molécules qui sont issues d'une diversité d'espèces vivantes de différents types. Et donc, il y a bien là tout un réservoir. Il faut quand même avoir en tête que derrière ça, il y a quand même des difficultés de coût, difficultés de récolte. Qui peuvent d'ailleurs amener à se tourner vers à nouveau l'aquaculture plutôt que vers l'exploitation des ressources naturelles. Il y a des impacts écologiques. Concentrer des molécules actives nécessite souvent d'extraire des grandes quantités de matières sèches. Et puis, il y a des questions sur les techniques d'isolement et de purification qui sont en train d'être relevées. Donc oui, il y a un potentiel dans la mer, mais ça demande des ressources d'investigation qui sont assez considérables. Alors j'en donne ici deux exemples qui sont des travaux de l'Institut. D'une part, l'usage d'une bactérie lactique inoffensive sur des tranches de saumon afin de préserver les tranches en question de saumon du développement de bactéries indésirables. Donc une question de sécurité alimentaire, je dirais, basique. Mais encore faut-il que ce soit fait et testé. Puis un deuxième exemple très différent, une bactérie des grands fonds, découvert donc à plusieurs millimètres de profondeur, qui est dans le Pacifique et qui produit des polysaccharides, c'est-à-dire des sucres complexes, qui peuvent être, en tout cas c'est l'objet des études, utilisés pour régénérer des tissus ou pour limiter des métastases. En tout cas, c'est les travaux qui sont en cours. Donc, deux illustrations de ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que l'océan peut être un réservoir de solutions. Alors, ça a déjà été évoqué par Patrick Campal, mais je pense que c'était important de revenir sur cette question pour boucler à la fin sur la question santé unique, santé de l'homme, santé de l'océan. Donc, les activités humaines, évidemment, elles affectent la santé de l'océan, mais ce qui est ennuyeux, c'est que le réservoir de solutions que j'évoquais il y a un instant pour
des médicaments, pour la pharmacologie. Je ne parle pas ici de la cosmétique et d'autres usages, hein, de molécules qui seraient issues de l'océan. Bien, ces activités humaines, en affectant la santé de l'océan, peuvent limiter les effets bénéfiques attendus. Alors, je ne reviens pas sur la question de l'acidification des océans, mais il y a des travaux qui montrent que, là, c'est des tests qui avaient été conduits avec des niveaux de pH que nous ne rencontrons pas encore et que nous ne sommes pas prêts de rencontrer, mais qui montrent que l'acidification a un effet sur le développement, en l'occurrence ici, des huîtres. Il y a ensuite un chiffre qu'on n'a peut-être pas évoqué, mais qui était implicitement présent, le fait que 80% de la contamination du milieu marin vient de la Terre, hein, que cette contamination soit physique, pour dire les macroplastiques c'est physique, que ce soit chimique, qu'elle soit d'origine biologique, qu'elle soit organique. Et un des messages que je voulais faire passer ici, il se trouve que l'IFREMER suit, ça fait partie de ses missions, par toute une série de réseaux, l'évolution de la qualité des eaux littorales, côtières, estuariennes sur l'ensemble des façades métropolitaines. Alors, je l'illustre ici juste sur la partie eutrophisation que Patrick Rampal a mentionné tout à l'heure et sur la surveillance des microalgues. Ce qu'on a observé finalement sur une trentaine d'années, c'est une amélioration progressive de la qualité des eaux, tout en pointant un certain nombre de points de vigilance particuliers. Et on a montré sur un très bel exemple, qui est celui de l'étang de Thau, qu'on a été capable de restituer ou restaurer une certaine qualité du milieu lagunaire. Alors, vous allez me dire, c'est tout petit, l'étang de Thau, à côté de l'océan. Hein, donc, c'est quelque chose d'assez concentré. Mais ça a pris 50 ans. 50 ans. Changer les actes, installer des stations d'épuration, modifier les pratiques, modifier les actions. 50 ans pour arriver à retrouver un état à peu près intéressant. Donc oui, vous parlez de 2049 à l'OPS. Ben, oui, on peut faire des choses. Je ne sais pas si on peut les faire à l'échelle de l'océan global, mais en tout cas, on peut en faire un certain nombre. Mais ça prend du temps, ça prend de la ténacité. Et donc, c'est des affaires de longue haleine. Pour terminer, Patrick Rampal l'a évoqué, il y a la question des efflorescences algales toxiques que je trouve intéressante parce que c'est un des endroits où on peut le mieux coupler cette question santé de l'homme, santé de l'océan, activité de l'homme, santé de l'homme, santé de l'océan. Les efflorescences algales toxiques, elles ont des effets multiples sur la santé humaine via la consommation de produits de la mer. Ça peut générer un certain nombre de vraies maladies, voire même des risques mortels dans certains cas. Ça a des effets sur l'économie bleue, ça a des effets sur les populations de poissons et de mollusques, ça a des effets sur le milieu marin avec l'hypoxie. Il y a eu quelques tentatives de les utiliser pour trouver des solutions ciblées en matière de médecine ou de santé humaine, mais ce n'est finalement pas des vraies ressources. Hein. Donc, c'est plutôt des choses qui ne sont pas favorables. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les causes qui ont été évoquées tout à l'heure, ben c'est l'eutrophisation via le rejet des nutriments, puis ça génère un déséquilibre des communautés planctoniques, ça modifie les aires de répartition des organismes de ces microalgues, ça peut être d'ailleurs aussi lié à la surpêche, ça altère la biodiversité, puis ça augmente enfin, le risque de microalgues. Et donc, d'une certaine manière, on a ici une chaîne qui va de l'homme et de ses actions à l'environnement, à la prolifération de microalgues et ensuite à des effets sur la santé humaine. Et d'une certaine manière, c'est une des illustrations les plus, peut-être les plus simples de ce qu'on peut appeler la question, enfin ce lien santé unique. Alors l'expression au départ, c'était pas One Health, hein, c'était One World, One Health. Alors ici, j'aurais envie de dire, c'est One World, One Ocean, One Health, faire une sorte de lien global. Et je terminerai, puisque nous sommes aujourd'hui, dans cette semaine, dans le 5e anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030 par les Nations Unies et des objectifs du développement durable, pour dire que finalement, si je reprends le petit schéma initial qui présentait santé animale, santé de l'environnement et santé humaine, donc ce concept, en balayant les exemples que j'évoquais, mais je pense que c'était vrai aussi dans ce qu'a présenté Patrick Rampal, on voit bien se dessiner plusieurs objectifs du développement durable. Pas seulement l'objectif 14 qui concerne l'océan, mais on a bien vu des questions de sécurité alimentaire, objectif numéro 2, de santé, évidemment, tout court, santé humaine, 3, mais aussi quelques autres que j'ai voulu illustrer ici. Donc je crois que cette question santé humaine, santé de l'océan, elle est bien au cœur d'un enjeu majeur pour le développement durable. Merci beaucoup, François.
On s'est un petit peu laissé emporter par cette introduction très, très large, mais extrêmement fructueuse. On va peut-être passer directement aux questions, donc n'hésitez pas. Bonsoir, merci pour vos brillantes introductions et exposés. Je me permets d'intervenir parce que j'ai une question en tant que citoyenne et amoureuse de la terre, de la mer. J'habite dans la région, je suis abonnée à l'Obs au passage, et j'ai une question qui risque, j'espère, de ne pas trop vous froisser, mais qui est vraiment d'actualité. Il s'agit en fait d'un projet qui génère de la pollution, puisque ça va générer beaucoup de bateaux, beaucoup de trafic, une marina, des commerces, etc., qui est un projet qui se développe sur Monaco de 6 hectares, qui a nécessité la transplantation de grandes nacres et également de Posidonie, qu'on a dû déplacer, qui sont en théorie déplacées. Donc la question est de savoir, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2020, avant 2049, ce projet doit et peut être poursuivi, et n'est-il pas une aberration environnementale, et allez-vous le poursuivre? Merci. Alors, nous n'avons pas de responsable du projet ce soir. Peut-être quand même Olivier Dufourneau. Non, c'est difficile à dire à partir du moment où on n'a pas aujourd'hui de représentant du porteur de projet. Je pourrais simplement signaler qu'aujourd'hui, la partie strictement marine du projet est terminée, d'une part, et d'autre part, que les techniques innovantes qui ont été utilisées pour transplanter les espèces que vous avez indiqué, ben ont donné des résultats très intéressants sur la partie Posidonie. Sur la partie Grande Nacre, malheureusement, le problème est à une autre échelle, puisque c'est tout le bassin méditerranéen qui a été touché par une épidémie. Voilà, donc une réponse partielle, mais je suis désolé, on a déjà beaucoup consommé de notre temps. Je remercie Patrick Rampal et François Houillet pour ces exposés qui nous ont permis d'entrevoir l'océan des problèmes et des mécanismes complexes qui sont à l'œuvre, et puis aussi l'océan des solutions possibles. On va poursuivre dans cette direction, mais avant cela, revenir peut-être à l'exploration, à la connaissance du milieu marin, avec Guylain Bardou, qui est cofondateur de l'association Underpol, qui, depuis 2007, fait découvrir au grand public le monde sous-marin, des régions polaires et pas seulement. Alors, Guylain va nous présenter son expérience et les leçons qu'il en a retirées. Il est accompagné d'Emmanuel Bardou, sans laquelle rien n'aurait été possible. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là ce soir pour avoir l'occasion de raconter un petit peu notre histoire, Under the Pole, et puis pour essayer de vous faire partager un petit peu les apprentissages, les leçons, ce qu'on en tire aujourd'hui, puisque ça fait quelques années en fait qu'on a parcouru une partie du monde sur nos différentes missions. Juste en introduction, je voudrais faire un clin d'œil au musée océanographique, parce qu'il se trouve que quelque part, Under the Pole est né, alors pas au musée, parce que j'étais déjà arrivé avec l'idée, mais il y a 12 ans, en 2008, je terminais mes études ici, pour un stage de fin d'études d'ingénierie, et en parallèle, je travaillais beaucoup sur Under the Pole, et ça faisait 12 ans que je n'étais pas venu. Voilà, donc j'étais très ému tout à l'heure d'aller me balader un petit peu. Le musée a beaucoup changé depuis, et vraiment dans le bon sens. Voilà, donc c'était le petit clin d'œil de la genèse d'Under the Pole. Il y a quelques photos qui vont tourner derrière moi. Elles vont tourner toutes les 30 secondes, parce que c'est un petit peu des photos qui racontent l'histoire d'Under the Pole, mais je ne vais pas m'arrêter spécialement sur le déroulé chronologique, mais plutôt vous raconter un petit peu comment Emmanuel, moi, mais l'équipe qu'il y a derrière, on a grandi avec le temps, on a fait mûrir nos projets,
pour en arriver d'abord à ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire demain, et puis surtout en quoi cette expérience nous inspirait et en quoi elle pilote un petit peu nos actions aujourd'hui. Alors, ce que vous voyez là, c'est une photo qui a été prise. On est pratiquement au pôle nord géographique, c'est en plein milieu de l'océan glacial arctique. Pour moi, c'est une photo historique. Il y en a eu très peu. C'est un ravitaillement qui nous survolait, qui a pris cette photo. C'était notre première expédition. L'idée à l'époque, c'était d'aller rendre compte de la banquise. La banquise, dans ce cas-là, de plus majestueux, celle du Grand Grand Nord, celle de l'océan glacial arctique. C'est la plus belle, c'est la plus tourmentée, c'est la plus fracturée. Et c'est un milieu qui est en voie de disparition, qui l'était déjà à l'époque. C'est une expédition qu'on a réalisée en 2010. L'idée, c'était d'aller réaliser une forme de témoignage en images sur ce monde fragile en train de disparaître. L'idée était née pendant l'année polaire internationale, en 2007, sur une première expérience polaire. Et depuis, la banquise fond, elle a pas arrêté. On enchaîne les années records. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être lu dans la presse récemment, puisqu'il y a deux jours, en fait, chaque année, le 21 septembre, les instituts polaires publient les comptes rendus un petit peu d'étendue de la banquise. Ça se fait à la fin de l'été pour l'Arctique, pour la surface minimum, et puis à la fin du printemps, le 21 mars, pour l'étendue maximum, quand on est vraiment à la sortie de l'hiver. Et cette année, c'est le deuxième record historique depuis qu'on scrute la banquise par satellite, depuis 1979. Et en fait, tous les 2-3 ans, on a affaire à une année plus ou moins record. En fait, ce que ça traduit, c'est que l'Arctique, la banquise fond, sa surface diminue, bien sûr. On en entend tous les jours parler. Mais ce qui est plus sournois, en fait, c'est que derrière la notion de surface, c'est aussi la notion d'épaisseur qui s'amenuise elle aussi. Et ça alimente un cercle vicieux. Celui de la fonte de la banquise, c'est un système qui s'auto-alimente. En gros, plus ça fond, plus ça fond. Et évidemment, on va au-devant de problématiques. L'Arctique, c'est un des grands symboles du réchauffement climatique qui a lieu là-bas de manière plus importante que partout ailleurs sur la planète. Ça, c'est notre origine. Dans les années qui ont suivi, on a travaillé en Arctique. En fait, pendant 10 ans, on a enchaîné différents projets. Alors pourquoi l'Arctique? Parce que d'abord c'est une région qui est gigantesque, c'est le cinquième océan de la planète, et c'est une région qui a été la dernière à avoir été découverte, si je puis dire, avec l'Antarctique. Les régions polaires, en fait, c'était au début du XXe siècle, la conquête du pôle Nord, du pôle Sud, le passage du Nord-Ouest. C'était la fin de la grande conquête de la planète, avec les dernières terres. Et puis, c'était progressivement leur découverte géographique jusqu'à l'avènement final avec les satellites. Et puis, progressivement, et en parallèle, leur découverte scientifique. Mais il se trouve qu'en fait, aujourd'hui, il y a encore très, très, très peu de choses de connues, notamment en ce qui concerne l'océan. Pourquoi ? Parce que c'est un terrain qui est loin, c'est un terrain qui est complexe, c'est un terrain qui est hostile, qui est froid pour les hommes, bien sûr, mais pour les équipements. En fait, c'est dur de travailler dans ces zones polaires, et ça l'est encore plus de faire de la science, notamment dans l'océan. Mais ça, c'est quelque chose qui est aussi très inspirant, parce que ce que ça veut dire, c'est que quand on se pose des questions, il y a plein de réponses à aller chercher dans ces terrains, et c'est ça en fait qui nous a animés. Nous, c'est une passion d'abord pour la plongée, et puis évidemment pour l'exploration sous-marine. Alors après avoir fait 10 ans dans le froid, on est allé plus récemment dans le chaud. C'était un grand plaisir. C'est une photo de Polynésie française, l'île de Bora Bora, qui est mythique dans le monde entier depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était un stop scientifique pour nous, qui a été un tournant un petit peu dans notre évolution sur la route de l'Antarctique. Alors on est sur la route de l'Antarctique puisque ça devrait être notre prochaine mission dans quelques semaines sur l'été polaire austral.
c'est mal en point là, dans la situation actuelle à cause des événements sanitaires qui tourmentent la planète. Mais voilà, sur la route de l'Antarctique, on a fait un appel à projet. On s'est dit, quitte à traverser la planète, on va s'y arrêter. On va travailler en Polynésie. On a fait un appel à projet scientifique. Et une chercheuse du CRIOB, Laetitia Edouin, nous a répondu et s'est enthousiasmée pour une idée de collaboration, en fait, d'association de compétences au service d'essayer d'acquérir des connaissances nouvelles sur l'environnement tropical profond, ce qu'on appelle la zone mésophotique, la zone crépusculaire, aussi mésophotique, ça vient du grec, moyen lumière, c'est cette zone intermédiaire entre les zones proches de la surface et puis les abysses. Et pendant 2 ans, on a monté un projet ensemble et on l'a réalisé pendant 12 mois de plongée à travers la Polynésie pour étudier les coraux profonds. Et pour nous, ça a été une mission qui a été, comme je le disais, un tournant, parce que pendant 12 mois, on a fait énormément de plongées, énormément de découvertes. La Polynésie, il faut voir que c'est grand comme l'Europe. Et on a multiplié, on a acquis en fait une connaissance globale du récif profond qui était très intéressante, qui était très importante, pour essayer de mettre en perspective un petit peu le rôle en fait de ces littoraux profonds dans les littoraux de manière un peu plus globale, c'est-à-dire de les lier à ce qu'on connaît mieux, plus proche de la surface, et puis de voir de quelle manière ils interagissent, dans quelle manière ils peuvent servir de refuge ou de nurserie. Alors ça, c'était la théorie scientifique qui était l'objet de l'étude, essayer de comprendre dans quelle mesure ces récifs coralliens profonds jouent un rôle et peuvent œuvrer d'une certaine manière à la préservation. Oui ou non, la vraie question, c'est celle de la compréhension, de manière à se baser en fait sur de la connaissance scientifique et en fonction de pouvoir appuyer une politique de recommandation ou de préservation. Alors, c'est des photos qui sont assez fascinantes. Celle-ci, je m'arrête dessus parce que c'est une de celles qui m'inspire le plus. On est à peu près à 90 mètres. Et vous voyez, les récifs coralliens, c'est souvent ça. On a un plateau qui est plus ou moins pentu, proche du lagon. Et puis, à un moment donné, on va avoir une rupture très, très raide et qui tombe dans les abysses. Voilà, ça, c'était vraiment notre terrain de travail pendant ces 12 mois de mission. Alors, au milieu d'Under the Pole, on a eu 2 enfants avec Emmanuel. C'était pour nous, en fait, dès le début, quand on s'est lancé dans cette aventure, c'était d'abord un choix de vie de faire ces missions ensemble et en famille. Pourquoi ? Parce qu'on avait cette volonté de travailler sur d'abord des programmes longs. Pourquoi des programmes longs ? Parce que quand on travaille en zone polaire, on ne part pas 15 jours. Parce que pour acquérir une connaissance profonde en fait, du milieu, une juste connaissance, mais à la fois, par exemple, une connaissance scientifique du sujet étudié, mais aussi la connaissance de ce sujet dans son environnement global, en intégrant par exemple les peuples qui y vivent. Alors, je pense aux Inuits en particulier, puisqu'on a passé beaucoup de temps en Arctique, beaucoup de temps au Groenland en particulier. On a appris à vivre avec les Inuits, on a hiverné avec eux. Et je rebondis sur l'exposé qui était fait auparavant, et en particulier ce que disait M. Randall sur la contamination en fait, de la chaîne alimentaire qui pollue en fait, l'alimentation, les poissons, et qui, en particulier pour les Inuits, devient un poison toxique. Et là-bas, c'en est la parfaite illustration. C'est-à-dire qu'on a un peuple qui depuis des centaines d'années, depuis des millénaires, se nourrit exclusivement des produits de la mer et de la chasse. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est des problèmes qui sont absolument majeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit d'en consommer autant. Les femmes enceintes ont interdiction de consommer des produits issus de la mer. Et par exemple, nous, une fois, on avait un très bon ami qui s'appelait Yorut, qui était chasseur. Il aurait pu être mon père.
Et c'est un de ses, je pense, on ne va pas dire dernier, mais il fait partie de ses derniers grands chasseurs, grands Inuits. Sont un mode de vie très traditionnel avec des chiens, avec une vie très, très simple, tournée vers l'environnement et dont ils tirent pratiquement l'ensemble de leur alimentation et qui nous avait emmenés à la chasse aux phoques. Alors, ce n'était pas moi en fait exactement, c'était Emmanuel qui en aurait parlé mieux que moi, mais je m'en ferai son porte-parole, son porte-parole. Et qui, une fois, lui tendait un morceau de foie. Alors, c'est pas très ragoûtant et c'est pas dans notre culture, mais c'était fait avec bienveillance, avec un message qui était celui en fait, de la nutrition, de l'alimentation. En fait, ce morceau de foie, exactement celui qu'il ne faut pas manger parce que c'est celui qui concentre le plus les toxines, eh ben, il lui a tendu en lui disant « very good, vitamine A, B, C, D ». Et en fait, ça traduit exactement ce pourquoi les Inuits ont survécu et ont traversé le temps, à la différence des grands explorateurs européens qui se sont souvent cassés les dents, avec notamment le scorbut, c'est parce que depuis toujours, ils consommaient justement localement dans la mesure, dans la justesse, uniquement ce qu'ils avaient besoin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Groenland ? Bah, on leur interdit de consommer évidemment ces produits de la mer. On leur exporte tout un tas de produits qui viennent de chez nous, mais qui ne sont pas de leur culture, mais qui ne sont pas du tout de leurs habitudes alimentaires. Et aujourd'hui, c'est les problèmes de diabète, c'est le sucre, c'est les gâteaux, c'est les sodas. Et donc, ça pose en fait tout un tas de problèmes d'ordre sociétal. Et ça devrait, je pense, nous interroger parce que. Évidemment, ça peut paraître un peu lointain, mais en fait, c'est simplement un miroir en fait, qui les touche directement, mais c'est exactement la même chose qui nous arrive d'une certaine manière. C'est à peu près la fin de cette carte blanche que j'avais pour vous parler. Je voudrais simplement faire remonter peut-être quelques idées en fait, qui nous ont fait... qui nous ont fait grandir avec Under the Pole. Je pense, sur l'ensemble de notre parcours, on a vécu des grands moments, hein. On a vécu des choses extraordinaires. On a cette chance d'avoir pu parcourir une partie du monde, notamment l'Arctique. L'Arctique, qui est un pays qui nous a tous fascinés. On a tous joué avec des ours polaires, on a tous joué avec des ours en peluche, etc. L'Arctique, c'est l'imaginaire de l'enfant. Et c'est un monde, comme je le disais tout à l'heure, qui est en pleine mutation, mais qui est au premier rang du réchauffement climatique. C'est un monde qui est fragile, et c'est un monde qu'on doit préserver. Les ours polaires que vous voyez là, c'est une mère et deux oursons, alors qu'ils se portent bien au demeurant. Une photo qui a été prise dans le passage du Nord-Ouest en 2017. Le passage du Nord-Ouest, vous en avez tous entendu parler, c'est cette voie maritime qui passe par l'Amérique du Nord, qui permet de relier l'Atlantique au Pacifique. Alors ça s'ouvre, mais ça s'ouvre pas vite non plus, et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Et dans ces régions qui sont absolument parmi les plus sauvages que j'ai eu l'occasion de voir, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un poteau, il n'y a pas un bateau, il n'y a pas un pêcheur, il y a nous et des ours polaires et des oiseaux et des phoques parfois. Et c'est une image que j'aime beaucoup parce qu'elle symbolise vraiment une forme de pureté de la nature qui est devenue très très rare. Il y a peu d'endroits dans le monde où on peut avoir la chance d'évoluer dans un environnement aussi sauvage. Et voilà, c'est l'occasion de le partager. Je pense que on a à s'inspirer de certains modes de vie que nous, on a pu observer à travers nos différents voyages. J'ai cité l'exemple des Inuits. C'est un peuple qui vit souvent dans la simplicité, la sobriété. Alors, sans vouloir faire exactement la même chose, mais c'est des choses qu'on a expérimentées, c'est des sensations qu'on a éprouvées nous-mêmes quand on était en hivernage dans la banquise. Et qui apporte aussi parfois énormément de satisfaction, en fait, de bien-être. Je pense qu'on est dans une société qui nous oppresse quelque part. Hein. On est sollicité de toutes parts
par les biens matériels, par la consommation, par les réseaux sociaux qui nous sollicitent en permanence. Et je ne donnerai pas de leçons, et l'idée n'est absolument pas de remettre ça fondamentalement en question, mais en tout cas d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir des portes, et peut-être de s'inspirer aussi de choses qu'on peut voir ailleurs, qui fonctionnent très bien et qui sont source d'épanouissement. Voilà. Je terminerai simplement par un mot. Aujourd'hui, on s'est beaucoup posé de questions, notamment cette année avec le Covid, avec la remise en question de nos projets avec l'Antarctique, par exemple, sur la suite à donner à notre action. Aujourd'hui, on pense que l'inspiration que peut susciter de tels projets, c'est quelque chose de fondamental. Nous-mêmes, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu des aïeux, des prédécesseurs qui nous ont profondément inspirés. Alors, j'évoquerai avec facilité, évidemment, Jacques-Yves Cousteau et ses circonstances, puisqu'il a présidé le musée il y a quelques décennies. Cette inspiration, elle est essentielle, mais aujourd'hui, elle doit se faire, je pense, aussi au service d'une cause. La cause, c'est celle de la préservation. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui en s'associant à d'autres acteurs. Alors, la science avec le CRIOB, le CNRS, pour ce fabuleux programme qu'on a fait sur les coraux profonds. Aujourd'hui, on s'associe aussi avec d'autres acteurs, comme je citerai une organisation, la plateforme Océan Climat, qui œuvre justement à la collecte de l'information scientifique, qui s'appuie sur cette information comme un socle, comme un tremplin, pour l'apporter, notamment auprès de la société civile, auprès des décideurs. Et je pense que ces synergies, ces collaborations entre projets, pour essayer de faire remonter, partager l'information, inspirer, et puis essayer de la partager au plus grand nombre possible, ça fait partie d'une de nos missions. Voilà. Je vous remercie tous. Je crois que j'avais terminé là-dessus. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Guylain Bardouc, vous nous avez montré qu'effectivement il y avait des héritiers du commandant Cousteau, des gens qui voyagent, qui explorent encore, il y a encore des choses à découvrir et qui communiquent une certaine passion sans laquelle l'action sera difficile à entreprendre. Donc merci beaucoup. Et justement, pour passer à l'action et préserver un océan sain et vivant, je vous invite à une nouvelle présentation. Avec Lucille Courtial, qui est coordinatrice de BIMED, qui est aussi une familière de Monaco, puisqu'elle est rattachée à la Fondation Albert II de Monaco, et Joachim Claudet, directeur de recherche au CNRS, au Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement, le fameux CRIOB, dont il a été question dans les présentations précédentes. Alors venez, rejoignez-moi, prenez des micros. Alors, je vais commencer par vous, Joachim Claudet, parce que on a vu qu'il y avait énormément d'enjeux, mais qu'il y avait aussi des solutions qui étaient finalement à notre portée. Et d'ailleurs, cette notion de zone maritime protégée était déjà dans le projet d'Albert Ier de Monaco. Dans son discours sur l'océan, il explique qu'il faudra aménager des sanctuaires pour préserver le vivant, parce que la surpêche, la surexploitation des océans produira des catastrophes. Il disait ça au début du XXe siècle. Aujourd'hui, les zones maritimes protégées existent, mais vous venez de réaliser une étude sur leur fonctionnement, sur leurs résultats, et vous êtes un petit peu pessimiste. En tout cas, vous tirez le signal d'alarme. Les zones existent, mais est-ce qu'elles sont réellement protégées? Voilà, c'est la première question que je vous pose. Quel bilan en faites-vous? Bonjour, merci. Merci au Novalops pour l'organisation, à l'Institut Océanographique de nous accueillir ici. Je vais vous parler des aires marines protégées et essayer d'en dresser un bilan qui va nous parler des bénéfices, ce qu'elles peuvent fournir et surtout quelles sont les conditions. Et justement, on va voir si toutes les conditions sont vraiment réunies pour ça. On parlait de One Health, on peut aussi parler de One Ocean. Ici, ce n'est pas une image trafiquée, c'est juste une représentation de la planète, mais sous un différent référentiel que celui qu'on a l'habitude de voir, et on remarque bien qu'on a un seul océan, donc on peut pas se rater, on n'en a pas un autre de rechange, on n'a qu'une planète, on n'a qu'un océan.
Donc le bien-être humain, est-ce que le développement est nécessaire? Bien évidemment, mais est-ce qu'on peut le faire de manière plus raisonnée? Je ne vais pas du tout passer tout en revue, là, mais c'est pour vous montrer que les océans et les zones côtières en particulier, mais tous les océans, sont énormément stressés pour diverses raisons, diverses activités humaines qui sont nécessaires, dont on a besoin. Il n'est pas question de les éliminer, mais on peut chercher à développer et à se développer de manière un peu plus raisonnée et peut-être autrement. Une des façons de le faire parmi d'autres, hein, pas du tout l'unique, ce sont les aires marines protégées. Donc, c'est des zones qu'on va délimiter en mer et dans lesquelles les usages, les activités humaines sont réglementées, voire exclues pour certaines, en particulier les activités extractives comme la pêche, l'extraction de minerais, de pétrole ou d'autres matières premières. Un des bénéfices essentiels des aires marines protégées, quand elles sont mises en place, c'est les bénéfices pour la biodiversité, pour les écosystèmes. Il y a plus d'espèces, elles sont plus grandes, elles se reproduisent mieux, elles sont plus diversifiées. Donc les écosystèmes, globalement, sont plus sains et à l'intérieur d'une aire marine protégée par rapport à l'extérieur. Ensuite, il y a des bénéfices pour la pêche. C'est qu'un écosystème plus sain à l'intérieur va permettre une exportation vers l'extérieur, donc dans les zones exploitées, dans les zones pêchées, dans les zones moins réglementées ou non réglementées. Les poissons vont pouvoir bouger, ils vont aller à l'extérieur, ils vont être pêchés. Les poissons, plus ils sont gros, plus ils produisent des larves et des œufs, et donc plus ils vont exporter dans les zones alentours. Donc il y a des bénéfices à l'intérieur et il y a des bénéfices à l'extérieur des aires marines protégées. Il y a également des bénéfices économiques, par exemple pour le tourisme. Ça attire des gens, ça peut attirer des plongeurs. Des études ont montré que les clubs de plongée bénéficiaient d'une aire marine protégée. Les revenus des pêcheurs étaient quelquefois plus importants proches d'une aire marine protégée de par les bénéfices qu'on vient de voir d'exportation. Un autre type de bénéfice, c'est qu'en protégeant des écosystèmes côtiers très importants comme les herbiers de Posidonie, les récifs coralliens, les mangroves, ça permet une meilleure résilience des zones côtières aux phénomènes de catastrophes naturelles et c'est quelque chose de bien évidemment très important. Aussi une augmentation de la résilience en termes de séquestration du CO2. Donc, les aires marines protégées permettent de maintenir le pouvoir de captation d'écosystèmes, ce qu'on appelle les écosystèmes bleus, pour le carbone bleu, très importants comme par exemple les mangroves. Et les écosystèmes sains, complexes, avec un réseau trophique complexe, permettent aussi ce qu'on appelle la pompe à carbone. Donc le carbone qui est séquestré dans l'océan va dans les sédiments, s'il n'est pas pêché, s'il n'est pas mangé par d'autres espèces, etc., et permet de minimiser l'effet de serre et donc les effets du changement climatique. Donc ça joue sur l'atténuation du changement climatique. Un autre bénéfice, c'est la protection du patrimoine culturel, des usages, ça permet de préserver des zones où les hommes ont des relations particulières, identitaires, culturelles avec l'océan. Ça permet aussi une meilleure compréhension de l'océan parce qu'à partir du moment où on élimine certaines activités qui ont un impact, on peut regarder comment l'océan se comporte sans des activités. Donc on permet de mieux comprendre l'impact des activités et de mieux comprendre l'impact cumulé du changement climatique avec d'autres activités humaines. Et enfin, ça permet une meilleure gouvernance parce qu'on peut y associer des parties prenantes, les communautés locales. C'est des zones de concertation, c'est des zones quelquefois de décentralisation pour la gouvernance. Et donc ça permet un grand nombre de bénéfices qui ne sont pas uniquement la protection des écosystèmes. Certaines conditions sont nécessaires pour obtenir tous ces bénéfices, que les réseaux soient bien conçus, l'engagement des parties prenantes, une réglementation, la surveillance, bien évidemment, le respect des règles, et surtout que la protection, ce qu'on appelle la protection intégrale, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré avant, parce que vous avez vu en bas, je vous avais mis des références, ça provient d'études scientifiques, donc c'est des effets qui ont été démontrés par la science, l'ensemble de ces bénéfices-là. Et tous ces bénéfices ont été montrés dans des aires marines protégées, qu'on appelait avant les réserves marines, où il y a ce qu'on appelle la protection intégrale, où tous les types d'usages extractifs sont interdits. De plus en plus d'aires marines protégées n'ont pas cette protection intégrale. Donc, on a développé une classification des aires marines protégées selon le niveau de protection. Et ce qu'on peut voir, c'est publié, donc c'est démontré, c'est que ce champ des bénéfices, il est directement proportionnel, directement lié, alors ce n'est pas proportionnel, mais directement lié au niveau de protection.
C'est-à-dire que quand une aire marine protégée est protégée de façon intégrale ou alors haute, ou quelques types d'activités extractives très durables, donc les activités de pêche dont on a parlé tout à l'heure, par exemple la palangre, etc., seraient autorisées dans de la protection haute. Donc les activités de protection, enfin les activités durables, elles permettent de maintenir un grand nombre de bénéfices. Mais il y a un vrai saut qualitatif et quantitatif quand on passe de protection haute à protection modérée ou faible, qui sont l'écrasante majorité de ce qu'on a sur nos côtes ou dans nos océans. Donc, pour vous montrer un petit schéma, et je terminerai là-dessus pour laisser du temps à la discussion si on a le temps. Par exemple, c'est la mer Méditerranée. On a 6% de couverture en aire marine protégée. On peut se dire que c'est beaucoup, que c'est pas mal. Les engagements internationaux pour 2020 étaient de 10%. Ils vont être probablement de 30% pour 2030. Ça doit être négocié à la prochaine COP de la CBD, mais elle fait qu'être repoussée à cause du Covid. Mais quand on regarde cette carte par rapport au niveau de protection, si on ne garde que les niveaux de protection pour lesquels on sait qu'il y a des bénéfices, donc protection intégrale et protection haute, on chute à 0,23%. Donc, je vous ai mis cette petite animation. On voit bien que nos efforts sont quand même très loin de fournir les bénéfices qui sont attendus. C'est-à-dire qu'on fait des aires marines protégées pour en obtenir des bénéfices, mais on est quand même assez loin du compte. Donc, oui, les aires marines protégées sont un outil parmi d'autres pour protéger nos écosystèmes, mais je pense qu'il est sous-utilisé et potentiellement mal utilisé. Il faudrait renforcer le niveau d'exigence dans les aires marines protégées, donc probablement en faire moins. On a sur la Méditerranée française, par exemple, toute la ZE, alors la zone, les eaux qui appartiennent à la France en Méditerranée, 60% de cette zone-là est sous un statut d'aire marine protégée. Je pense qu'on pourrait en faire beaucoup moins, redistribuer les efforts, redistribuer les financements, peut-être faire moins de couverture, mais mieux protéger, et qui permettrait effectivement d'avoir d'obtenir des résultats. Voilà, alors ça c'est un type d'action, hein, on comprend que ça engage les pouvoirs publics, bon, aussi les citoyens, puisqu'il faut qu'ils entrent dans le respect des règles qui sont édictées, mais il y a d'autres formes d'action. Et je me tourne vers vous, Lucile Courcial, parce que vous vous occupez du délicat problème des plastiques. On a vu dans l'exposé initial du professeur Rampal à quel point c'était problématique. Et vous essayez de mobiliser les citoyens, les pouvoirs publics pour changer les habitudes et éviter le rejet des plastiques dans la Méditerranée. Comment vous vous y prenez? Quelles actions vous menez? Et surtout, quels résultats obtenez-vous? Merci. Alors donc oui, effectivement, nous on est une association donc basée sur Monaco qui travaillons à essayer de réduire la pollution plastique en Méditerranée. Donc je pense que la première chose qui est importante de rappeler pour bien resituer le contexte, c'est peut-être quelques chiffres clés, notamment sur la Méditerranée. Alors le professeur Rampal a déjà bien introduit le problème de la pollution plastique et les impacts qu'ils peuvent avoir à la fois sur les écosystèmes et sur l'homme. Mais il faut savoir qu'en Méditerranée, on a des concentrations de microplastiques qui sont particulièrement élevées. On dit même que la mer Méditerranée est la mer la plus polluée du monde. Donc on a une problématique qui est particulière due au caractère semi-fermé de la Méditerranée où il y a une concentration importante. Cette mer Méditerranée est aussi particulièrement favorable au tourisme. On a une importance du tourisme dans cette zone-là. On a une importance du commerce et des échanges maritimes. Donc toutes ces problématiques-là font que la mer Méditerranée est une zone particulièrement vulnérable à ce problème de la pollution plastique, mais aussi particulièrement avec un potentiel fort pour appliquer des solutions et mettre en œuvre des solutions à une échelle qui est régionale et qui implique plusieurs États, plusieurs pays. Donc ceci dit, nous on essaye de travailler à la source du problème. On est persuadé que nettoyer actuellement la Méditerranée n'est pas une solution. Il y a une quantité de plastique qui arrive qui est telle, donc on dit un camion poubelle par minute dans les océans, donc c'est une quantité de plastique qui est énorme qui arrive. Donc avant de penser à nettoyer même sur des zones qui sont difficilement accessibles, il faut essayer de réduire à la source. Et ce qu'on essaye de faire, nous, avec BIMED, c'est à travers le soutien de projets tout autour de la Méditerranée, d'essayer justement de réduire l'arrivée en mer.
Alors, il y a plusieurs types de solutions. Il n'y a aucune solution unique au problème. Elle va dépendre à la fois de la localisation, donc du contexte local, du contexte national, et ensuite prendre le problème dans un contexte régional. Elle va dépendre aussi du produit et du type de plastique qu'on vise. Et elle va aussi mobiliser plusieurs types d'acteurs tout autour de cette problématique. Alors, sans repasser sur les chiffres, puisque du coup j'en ai parlé, je vais simplement vous montrer les différents types d'actions que nous soutenons et en quoi elles contribuent toutes d'une façon différente à réduire cette pollution plastique. La première chose, c'est bien entendu rassembler et mobiliser les acteurs. Il est important de comprendre que l'effort doit être commun, qu'il touche différents types d'acteurs, que ce soit les populations, donc nous, citoyens, que ce soit les ONG, que ce soit les entreprises, que ce soit les gouvernements, on a tous un rôle à jouer. Et il faut des projets qui essayent de réunir les différents acteurs clés pour se concentrer sur ce problème. On a aussi besoin de données. On a aussi besoin de comprendre quelles sont les sources du problème pour pouvoir cibler les plastiques les plus pertinents. On sait qu'en mer, 60% du plastique qu'on retrouve sont des emballages et des plastiques à usage unique. Donc on se dit qu'une grosse partie de la solution, c'est de s'attaquer à ce type de plastique-là plutôt que d'autres qui sont aussi utiles. Et puis, on a bien entendu tout intérêt à essayer de réduire en réutilisant, en utilisant d'autres matériaux quand ils sont plus adaptés. Et je mentionnais les plastiques à usage unique qui sont l'un des plus gros problèmes en Méditerranée et partout dans le monde d'ailleurs. Essayer de plutôt s'axer vers de la réutilisation et supprimer tout ce qui est emballage ou plastique type bouteille en plastique. Il n'y en a pas ici, c'est parfait. Il y a aussi, comme je le disais, l'engagement de tout ce qui est gouvernement, des politiques. Et donc, on a un aspect de conseil et d'aide à la mise en place de nouvelles réglementations, puisqu'on a besoin de réglementations pour pousser l'effort plus loin et mobiliser justement les différents acteurs. Et bien sûr, la sensibilisation est aussi un moyen très important. Passer le message, faire prendre conscience du problème, réaliser le problème pour ensuite qu'au quotidien, les populations, mais aussi les gouvernements et les entreprises puissent mettre la main à la pâte pour réduire le problème. Et puis enfin, en Méditerranée et puis dans d'autres parties du monde, on a des problématiques régionales particulières puisqu'on a de gros écarts entre les pays, notamment en termes de développement, mais aussi en termes de système de collecte pour ce qui concerne les déchets. Et il y a toute une partie de la Méditerranée pour laquelle l'un des enjeux majeurs, c'est justement la mise en place de ces systèmes de collecte ou l'amélioration de ces systèmes de collecte et, dans un second temps, la mise en place du recyclage pour certaines zones qui n'existent pas. Donc, nous, on a décidé d'avoir une approche locale, c'est-à-dire qu'on soutient des actions qui sont locales dans les différents pays. Vous voyez ici sur la carte les différents points qui sont les sites sur lesquels nous avons des actions, en se disant que qui est mieux placé que les acteurs locaux qui vivent dans le pays pour porter des actions qui soient pertinentes et efficaces et qui correspondent au contexte local. Mais l'idée derrière, c'est bien d'avoir un impact régional à l'échelle de la Méditerranée en essayant de créer une dynamique au sein de ces acteurs, de faire en sorte qu'ils se parlent, qu'ils partagent les expériences qu'ils ont pu développer, les bonnes pratiques, et puis que ces bons projets, ces projets qui apportent des solutions, puissent être répliqués à l'échelle du bassin. Ça, c'est l'avantage d'être autour d'une mer fermée. C'est-à-dire que tout le monde a le même intérêt à éliminer les plastiques, parce que finalement, c'est une menace globale pour tout le pourtour méditerranéen. Donc ça, ça produit quand même une certaine solidarité, d'après vous ? Une solidarité, on est tous autour d'une même problématique, l'objectif étant de protéger cette mer Méditerranée qui est une source de revenus et de bien-être énorme pour les populations humaines. Et du coup, forcément, on a tous cet objectif commun, bien sûr avec des spécificités dans chaque région, donc à adapter à chaque région, mais on a bien cet objectif commun et cette dynamique qu'on voit se mettre en place petit à petit. Et donc, est-ce que vous estimez que du côté des pouvoirs publics, des associations et des citoyens, tout autour de la Méditerranée,
cette question commence à être prise en compte, il y a une prise de conscience, parce qu'on sait que c'est efficace, on l'a vu dans d'autres cas de pollution, on a éliminé certains polluants par la mobilisation à la fois des industriels, des gouvernements et des citoyens. Est-ce que c'est réalisable, à votre avis, concernant le plastique dans la Méditerranée? Et c'est un enjeu essentiel, parce que si on plastifie la Méditerranée définitivement, c'est très grave et c'est la mort de cette mer. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un sursaut? Oui, vraiment. On le voit beaucoup. Alors nous, à travers nos projets, mais je dirais même de manière générale en fait et globale, je pense que l'effort est venu vraiment des populations et du grand public. Il y a eu une prise de conscience énorme sur cette pollution qui est très visible et du coup qui choque beaucoup les gens. Et finalement, cette mobilisation du grand public a permis de faire bouger aussi un petit peu les gouvernements, les réglementations régionales. On a des pistes au niveau de l'Union européenne avec une directive concernant les plastiques à usage unique. On a aussi une convention de Barcelone qui régit finalement les directives au niveau de la Méditerranée, donc qui prend en compte ces questions des plastiques. Donc on a vu progressivement, et c'est parti d'un effort des citoyens finalement, le problème pris en compte à plus grande échelle et au niveau des gouvernements. Et on commence également à voir l'engagement des entreprises et du secteur privé qui réalisent l'ampleur du problème et qui réalisent aussi le rôle qu'ils ont, eux, à jouer dans cette pollution plastique. Et là où nous, consommateurs, on a un pouvoir qui est énorme, c'est que nous, finalement, quand on va au supermarché et qu'on choisit ce qu'on veut acheter, on a une double action. La première, c'est qu'on peut réduire par nous-mêmes, simplement par le fait de ne pas acheter la production de déchets plastiques. Et la deuxième, c'est qu'en choisissant des produits, si on le fait tous, on fait passer aussi un message aux industriels en disant on ne veut plus de ces emballages plastiques. Mais est-ce que vous êtes prêts, comme certaines associations, à faire ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire à désigner des industriels de la grande consommation qui continueraient à utiliser des plastiques à usage unique? Alors nous, on ne le fait pas. Je pense que c'est important d'identifier les sources. Et après, je pense que les industriels sont des maillons de la chaîne indispensables. Ils font partie du problème, mais ils font aussi partie intégrante des solutions et qu'on a besoin de travailler avec le secteur privé et de les engager pour pouvoir mettre en place des solutions. Si les industriels ne suivent pas, nous, consommateurs, on aura beaucoup plus de difficultés à réduire notre production de déchets plastiques. Et donc, nous, on a décidé d'aller plutôt vers cette piste-là et d'essayer de travailler avec des industriels qui ont déjà pris conscience du problème, qui ont déjà mis en place au sein de leur stratégie une certaine dynamique de réduction du plastique, et on essaye de les accompagner dans cette stratégie-là pour faire en sorte qu'elles choisissent les bonnes alternatives, qu'elles ne tombent pas dans les pièges qu'il peut y avoir actuellement et qu'elles mettent en place des solutions qui soient viables, notamment à l'échelle de la Méditerranée. Très bien. Dernière question peut-être pour vous, Joachim Claudet, avant qu'on passe la parole à la salle. Est-ce que la question du plastique aussi, évidemment, elle est au cœur des aires maritimes protégées, parce que le plastique ne s'arrête pas à la limite de l'air protégé. Donc, est-ce qu'il y a des actions particulières qui sont entreprises contre la pollution au plastique? Alors, les aires marines protégées en soi ne sont pas du tout une solution contre le plastique, puisque le plastique, on l'a vu dans toutes les présentations qu'il y avait auparavant, et je l'ai rappelé, est quelque chose qui circule totalement librement dans l'océan. Mais quelques aires marines protégées ont aussi une partie terrestre, hein, et c'est là où on peut agir sur les pratiques, les changements, mieux valoriser certains comportements par rapport à d'autres et essayer d'influencer sur les normes sociales. Et c'est ça, in fine, qui permettra d'avoir le changement attendu. Donc on va prendre quelques questions de la salle. On a vraiment débordé dans notre programme et on a encore le pitch des startups qui va nous apporter beaucoup d'espoir et de solutions possibles. Donc, est-ce que vous avez des réactions, enfin surtout des questions à poser à Lucille Courtial et Joachim Claudet sur ces actions, sur cette mobilisation citoyenne? Madame, on va vous donner un micro peut-être. La manœuvre est délicate. Voilà. Attendez, il vaudrait mieux que vous parliez avec le micro parce qu'on ne vous entend pas du tout. Bonsoir, merci.
J'ai une question pour madame qui parlait d'entreprises qui faisaient des efforts pour diminuer la production ou la commercialisation de plastique. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis, s'il vous plaît? Oui. Des noms. Je peux donner des noms, évidemment. Alors, il y en a plein, et celles que je vais citer ce soir ne sont pas forcément les seules. Une entreprise qu'on connaît beaucoup tous, c'est notamment l'entreprise Carrefour, qui est donc touchée particulièrement par cette problématique du plastique, notamment à travers les emballages, et qui essaye de faire des efforts à travers un programme qui s'appelle le programme Loop, qui est actuellement testé à Paris, qui est un système finalement de consigne des emballages. Donc on va commander en ligne une certaine gamme de produits avec des enseignes partenaires, avec des marques partenaires, et on vient vous livrer chez vous des produits qui sont emballés dans des emballages qui sont réutilisables. Une fois que vous avez fini vos produits, vous remettez les emballages dans le sac qu'on vous a donné et lors de la prochaine livraison, ils récupèrent les emballages. Donc ça permet sur un certain nombre de produits de limiter l'utilisation du plastique. On peut mentionner aussi la vente en vrac qui est mise en place notamment dans les enseignes de Carrefour, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup de magasins de Biocoop, par exemple, ce genre de choses, qui mettent en place déjà la vente en vrac et la limitation des emballages. C'est une pratique qui se développe hein, chez les consommateurs. Comme l'a dit Lucie, les consommateurs sont directeurs dans cette offensive contre le plastique. Une autre question peut-être? Oui, nous avons une question des réseaux de JR qui demande quelle vision pour les aires marines protégées en haute mer? C'est une bonne question importante. Alors, la haute mer, il y a deux façons de voir la haute mer. Il y a le large. Donc là, il y a des aires marines protégées qui existent, qui doivent être plus grandes que proches des côtes pour qu'elles puissent recouvrir les aires de répartition des espèces qu'elles ciblent. Il est aussi question d'aires marines protégées qui soient dynamiques, qui bougent et qui suivent les populations migratrices. Il y a aussi une autre façon d'entendre la haute mer, qui sont toutes les eaux au-delà des eaux sous juridiction nationale. Donc, il y a les eaux qui appartiennent et qui sont sous la réglementation des pays. Et puis, il y a toute la mer qui est au-delà de cette réglementation-là. Et il faut savoir que c'est presque 50% de la planète. C'est presque la moitié. C'est 45% à peu près de la planète Terre. Et dans ces zones-là, il y a un traité qui est en ce moment en négociation aux Nations Unies. Il y a plusieurs sessions. La dernière session qui devait être normalement celle de clôture devait avoir eu lieu en août. Ça a été repoussé à cause du Covid. Donc là, on est dans les négociations à intersession, comme on dit. Enfin, tout est compliqué à cause du Covid. Et il y a quatre piliers dans ces négociations. Et un des piliers sont les aires marines protégées. Alors, c'est assez compliqué parce que les aires marines protégées qui pourraient être désignées dans ce cadre-là ne peuvent pas empiéter sur les prérogatives des organisations sectorielles qui peuvent réglementer dans la haute mer. Donc, par exemple, les organisations qui gèrent la pêche en haute mer. Donc, une aire marine protégée aura peu de façons, en l'état actuel du traité, à demander aux pêcheurs de changer leurs pratiques, par exemple. Donc, les aires marines protégées ne pourront pas nécessairement réglementer la pêche. Donc, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut une collaboration plus poussée entre les organisations sectorielles et régionales et la future COP qui sera créée dans le traité de la haute mer, sachant que c'est les mêmes pays qui sont derrière l'un et derrière l'autre, mais pas les mêmes services. Donc, on voit qu'il y a des grands enjeux diplomatiques. On va passer à la dernière partie de cette présentation avec des gens qui sont des innovateurs, qui ont des solutions en développement pour essayer de... Merci, Lucille Courcial et Joachim Claudet. Donc, j'appelle à me rejoindre ici Mathieu Coulanges, Gilles Lecaillon et Franck Zal, qui vont avoir la lourde tâche et relever le rude défi de présenter en 5 minutes chacun leur idée géniale. Donc, on va commencer peut-être avec vous, Mathieu Coulanges. Voilà. Non, prenez pas ce micro, parce que c'est mon micro. Je préfère que vous en preniez un autre. Merci. Alors, je vous laisse faire. 5 minutes. 5 minutes, ça va être compliqué parce que je suis très bavard, mais je vais les tenir. Un grand merci à tous. Un grand merci à Olivier qui me permet de me mélanger à ces personnes qui m'ont toujours passionné par leur action. Alors, je suis médecin. Je vais vous parler d'un projet de recherche
un petit peu original qui permet de démontrer l'importance pour l'homme de préserver un milieu qui est l'océan et qui pourrait être une ressource thérapeutique fantastique contre le mal du siècle qui est le stress. Alors, vraiment, pour tenir ces 5 minutes, 3 parties dans mon propos, la genèse du projet, les bénéfices sur le stress post-traumatique et enfin les perspectives, notamment les perspectives sur l'épuisement professionnel et le burn-out pour nos personnels soignants qui sont actuellement en plein stress. Cette histoire, elle débute en 2015, une rencontre fortuite avec ce type, Frédéric Benetton, polytechnicien, trader, qui s'était rendu compte que dans ses activités de loisirs, il y avait une activité qui lui faisait beaucoup plus de bien que le reste, malgré une vie quand même très compliquée, c'était la plongée. Ça améliorait son sommeil, ça diminuait son niveau de stress, ça améliorait sa capacité à gérer l'imprévu dans son travail, et ça, c'était des effets rémanents pendant plusieurs mois après une activité de plongée. Malheureusement, il fait un burn-out, il vient nous voir, et il décide de prendre une année sabbatique, de faire un master de recherche, et donc on le voit arriver dans notre laboratoire de recherche à Marseille, qui travaille sur la physiologie en conditions extrêmes. Sujet assez atypique, mon cœur de métier, c'est traiter des accidents de plongée, et là je me dis que finalement la plongée, ça peut être aussi une ressource thérapeutique, et donc on débute ce projet de recherche sur une première manip toute simple, qui s'appelle Dive Stress, en 2015, où là, on va prendre 2 populations, une population de plongeurs, une population de multisports, kayak, escalade. On va travailler avec une psychiatre qui travaille à l'Institut de recherche biomédicale des armées, qui est Marion Trousselard, qui va utiliser des outils pour évaluer le niveau de stress de ces populations. On va parier ces populations et on va tester sur ces populations 2 activités. Au décours, on les évalue immédiatement après et à 1 mois. Et on se rend compte que c'est assez spectaculaire. Alors effectivement, il y a un effet vacances, hein. On est dans les Calanques, à Marseille, dans de beaux endroits, mais on se rend compte que ceux qui ont plongé vont beaucoup mieux, et surtout cet effet perdure pendant plusieurs semaines. Alors c'est vrai que ça fait sourire un peu la communauté scientifique, est-ce qu'il y a vraiment un substrat scientifique à tout cela? En fait, on se rend compte très rapidement que certains mécanismes qui sont mis en place de façon totalement involontaire sous l'eau peuvent avoir un effet physiologique, et on sait que quelqu'un qui est stressé va impacter sur son système neurovégétatif. Le système neurovégétatif, c'est un système nerveux autonome qui contrôle l'ensemble de vos organes avec ce qu'on appelle le système catécholaminergique, le système sympathique qui accélère votre cœur, qui accélère votre digestion, qui accélère plein d'organes, qui vous permet d'échapper à un danger. Et puis, il y a un système freinateur qui vous permet de vous mettre au repos. Ce système freinateur, il dysfonctionne chez quelqu'un qui est stressé. Eh bien, on a un moyen très simple de rééduquer ce système parasympathique et de le rendre de nouveau fonctionnel, et donc de repermettre un équilibre subtil entre le parasympathique et le sympathique. Et pour obtenir ça, il suffit de s'immerger avec un scaphandre autonome. L'immersion va redistribuer les flux sanguins dans le thorax. La ventilation lente et ample qui est induite par le milieu et par l'utilisation d'un détendeur va projeter à une certaine fréquence un afflux de sang dans les carotides, et vous allez stimuler un petit barorécepteur qui va permettre progressivement de rééduquer votre système parasympathique comme si on rééduquait un muscle. On pourrait se dire, mais tout ça c'est bien connu, c'est fait dans des techniques de yoga, de relaxation. Oui, mais c'est souvent compliqué de proposer ce type de traitement à des personnes un peu hyperactives qui ont un stress intense, alors qu'il suffit de les mettre dans l'eau et instinctivement, involontairement, ils vont mettre en place cette technique. Le deuxième effet bénéfique, c'est un effet qui est bien connu, c'est ce qu'on appelle l'état de pleine conscience, le mindfulness. On se focalise sur le moment précis, le moment présent, pour oublier tout ce qui se passe, tout ce flux de pensées négatives qui hante notre esprit. Pour cela, il faut un milieu inconnu, qui peut être la mer, un milieu qui permet l'éveil des sens, la contemplation, la réappropriation du schéma corporel. Et ça, c'est très facile à mettre en place sous l'eau. C'est plus compliqué, encore une fois, pour des personnes qui souffrent de stress pathologique. Alors, on a voulu aller plus loin. On s'est dit que ces modes d'action étaient probablement très intéressants par la plongée standard. Eh bien, on va essayer de potentialiser avec un protocole de plongée qu'on a appelé le protocole Baptismet, dans lequel on a rajouté des techniques de sophrologie, de méditation, de psychologie sportive, de PNL. Vous m'arrêtez hein, quand j'ai plus le droit de parler. Ça va. Et ce protocole de plongée particulier, on a voulu le tester sur des pathologies du stress. Le premier, 2017, on a 2 ans des attentats, on a énormément de difficultés à trouver des solutions sur le stress post-traumatique, et donc on décide de prendre une 40aine de victimes des attentats de Paris, de les amener en Guadeloupe, de les tirer au sort, de les mettre dans 2 groupes, un groupe plongée, un groupe multisport, un petit peu comme si on comparait un médicament avec un placebo, et on a testé ces populations pendant 2 semaines, et on a vu très clairement
que les personnes qui avaient plongé eh bien, réussissaient au décours de ce séjour de plongée, passaient en dessous du seuil de stress post-traumatique, contrairement aux multisports qui s'amélioraient, mais malheureusement, certains restaient au-dessus. On a pu, le groupe témoin, lui proposer le même protocole secondairement. On a réussi aussi à les améliorer avec un effet rémanent jusqu'à 3 mois. On est allé un petit peu plus loin. On n'a eu aucun effet indésirable. Hein. Certains psychiatres se demandaient un petit peu ce qu'on faisait à soumettre ces gens à un milieu un petit peu méconnu, stressant. Mais on n'a eu aucun effet secondaire et on n'a eu que des bénéfices. On est allé un petit peu plus loin avec des blessés psychiques de l'armée de terre qui avaient également des blessures physiques, qui étaient des gens qui étaient non-plongeurs, donc c'est accessible à tous, et on a pu leur proposer le même protocole à Malte avec des résultats similaires. Alors, quelles sont les perspectives? Les perspectives, c'est de travailler sur un autre type de stress, qui est le burn-out. Burn-out qu'on avait prévu pour les personnels soignants, puisque je travaille à Marseille. À Marseille, on avait fait une étude il y a quelques années avec le professeur Michelet, et on avait montré qu'un médecin sur deux, et c'est valable aussi pour le personnel paramédical, avait un niveau de stress élevé, qui pouvait se rapprocher du burn-out. Et je vous rappelle que le burn-out est un motif d'inaptitude au travail. Malheureusement, si vous mettez 50% des médecins urgentistes des hôpitaux de Marseille en arrêt de travail, vous arrêtez le fonctionnement des urgences et vous avez un impact sanitaire majeur. C'est important de le faire pour la santé des soignants, mais malheureusement, on ne peut pas se le permettre. Et on peut se dire que ça implique aussi une problématique pour les personnels qui vont être traités par des gens en burn-out. Alors, ça tombe bien, et c'est pour ça que je suis vraiment très, très heureux de pouvoir venir communiquer sur ce projet, parce qu'on a eu une rencontre furtive avec Yann-Éric Lassens, qui est professeur de réanimation, qui est chef de service des urgences de l'hôpital Princesse de Grâce sur Monaco, et qui est fasciné par la mer, et qui était fasciné par notre projet, donc qui nous a proposé de nous accompagner avec le Centre scientifique de Monaco, et je suis aussi très flatté de rencontrer le professeur Rampal, avec qui on va proposer ce projet. Alors, on devait le faire cet été, mais malheureusement, on a pris un petit peu de retard par rapport à la situation sanitaire. Et on va probablement, dès mai prochain, avec également l'Université de Nice, proposer un protocole comparatif avec des populations de personnel urgentiste en burn-out, dans lequel on va leur proposer de la méditation pleine conscience et le traitement de base versus de la plongée en Méditerranée. J'ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup. Ça s'appelle la médecine hyperbare. Et donc, vous qui avez la chance d'habiter sur la côte, quand vous vous sentez stressé, ben, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il n'y a pas de Covid dans la mer et vous ressortirez avec moins de stress. Mais vous pouvez aussi considérer que c'est désormais une technique qui est développée scientifiquement et qui est très prometteuse. Alors, deuxième présentation dans un tout autre genre, mais tout aussi intéressant, Gilles Lecaillon, qui est président fondateur d'Écocéan. La règle est la même, 5 minutes, c'est à vous. Bonsoir, merci à l'OPS et à l'Institut océanographique de m'avoir invité, permis de parler rapidement de ce qu'on fait. Alors finalement, ça fait le lien avec pas mal de choses qu'il y avait avant, parce que comme Joachim l'a dit, il y a des aires marines protégées, et malheureusement, ce n'est pas la seule solution, ça pourrait l'être, mais comme on est en train d'impacter de plus en plus l'écosystème, finalement, aujourd'hui, il existe une autre solution qui est complémentaire, c'est la restauration écologique. Et ce dont je vais vous parler rapidement, c'est la restauration écologique de certains services écosystémiques. Tout à l'heure, on a parlé de bénéfices, mais globalement, c'est ce que nous apporte l'océan. Il nous apporte beaucoup de services écosystémiques, de bénéfices. Et donc, nous, on a travaillé là-dessus. Donc, on est une société, donc rapidement, qui faisons de l'ingénierie écologique en milieu marin. Notre cœur de métier, c'est de concevoir et de fabriquer des solutions 100% recyclables, recyclées, sans béton ni plastique. Alors, c'est important qu'on le précise parce que nous, ça fait partie de notre cahier des charges de ne pas utiliser ces matériaux-là. Et donc, tout ça pour arriver à des produits qui sont opérationnels, qui ont été validés scientifiquement. Et la validation scientifique, c'est quelque chose qui prend du temps. D'ailleurs, on est une start-up, c'est gentil de nous avoir mis dans les start-up, mais ça fait juste 17 ans qu'on existe, donc on a mis un petit peu de temps à starter, nous. Mais ceci dit, dans le milieu marin, il faut le temps aussi de montrer et démontrer les choses. Donc voilà, c'était juste la petite,
Et donc, on est une société aujourd'hui qui faisons presque 1,5 million de chiffre d'affaires avec 15 personnes qui travaillent à temps plein sur cette thématique. Donc, les produits rapidement, et puis je vais vous montrer vite fait un petit film. Donc, on a développé un produit, on est des spécialistes des jeunes stades de poissons. Donc, aujourd'hui, on sait les capturer, ces jeunes stades de poissons, et on les pêche avec des pêcheurs locaux. Tout à l'heure, le monsieur que vous avez montré, c'est un pêcheur petit métier. Nous, c'est nos partenaires privilégiés. On travaille avec ces gens-là qui nous capturent les larves. Nous, ils nous les ramènent à terre, on les élève, elles font 1 cm, elles ont une chance sur 1000 de s'en sortir. On les élève, on leur fait passer en 4 mois de 1 cm à 8 cm et on les remet dans la mer. Donc, on repeuple la mer avec les pêcheurs. Et bon, ça peut paraître hallucinant, mais il y a eu plusieurs projets de recherche qui ont démontré que ce qu'on faisait avait un sens et était réellement efficace. On a une autre solution qui est plus récente, c'est de mettre des habitats dans des endroits artificialisés. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la pollution, il y a l'artificialisation du littoral. On n'est pas trop mal placé ici pour montrer qu'il y a une artificialisation du littoral. Et donc, du coup, plutôt que de dire « Ah, il faut arrêter, il faut revenir comme c'était avant », on s'est dit « Non, mais ça, il y a des ONG qui font ça, ce n'est pas notre métier ». On s'est dit « Comment on va valoriser ces écosystèmes artificiels ?» Dans la mesure où, justement, on a quand même amélioré l'état de la qualité de l'eau des écosystèmes, et en particulier en Méditerranée. Donc, on a mis ces habitats, qui sont des biohuttes, qu'on a installés un peu partout, et dont dans les deux ports de Monaco, pour information. Et puis récemment, on fait des radeaux végétalisés, mais là, c'est pour transférer toute notre connaissance qu'on a fait en eau de mer. On le fait maintenant en eau douce grâce à ces radeaux. Aujourd'hui, on a quand même plus de 50 projets, 28 marines à équiper, et plus de 20 000 poissons qui ont été repeuplés en Méditerranée. Donc, ce qui est important par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est qu'un bon état de la biodiversité, ça veut dire un bon état des services que l'océan nous rend, et donc un bon équilibre pour l'être humain. Et alors en particulier nous, donc on remet du poisson dans la mer, et ce qui est important, c'est que c'est un vrai sens, c'est-à-dire que c'est une efficacité qui est reconnue, c'est-à-dire on sait combien on remet de poissons, on sait combien il y en a qui intègrent les populations, et donc il est important de maintenir cette fonctionnalité qui est la nurserie, donc une nurserie artificielle, dans tous les cas elle est artificielle, soit on prélève le poisson, on l'aide artificiellement et on le remet, malheureusement c'est artificiel, mais c'est parce qu'aujourd'hui on impacte tellement l'écosystème, et particulièrement l'écosystème côtier, tu l'as bien montré dans une slide, je crois que c'est toi Joachim. Donc il faut malheureusement, j'allais dire, intervenir sur l'écosystème et faire de l'ingénierie écologique, c'est ce que fait Écocéan. Mais avec des solutions démontrées, avec des résultats qui sont partagés, là, on en a parlé avec la sensibilisation, donc on utilise nous les marinas, les ports qu'on équipe pour expliquer que ce sont des écosystèmes. Oh, et que il y a des petits poissons à l'intérieur, donc il faut le respecter. À partir du moment où on respecte une marina, on respectera d'autant plus un écosystème naturel. Donc, on travaille sur l'évolution des mentalités. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, moi, ça fait 17 ans que je fais ça. Il y a 17 ans, quand je parlais à des gestionnaires, ils me regardaient avec des yeux en me disant « Mais t'es qui, toi ?» Et aujourd'hui, on vient nous chercher. Donc, il y a bien eu une évolution des mentalités. Voilà. Et donc, une bonne qualité d'eau, c'est ce que je disais. Donc, je vous montre juste une petite vidéo qui va durer 1 minute 30 pour vous représenter réellement ce qu'on fait. Eh ben non, perdu. Voilà. Donc, ça, c'est la solution qu'on a mis. Alors, cette solution-là, on la met en place à Marseille aujourd'hui, on l'a mis en place à Toulon, on l'a mis en place en Guadeloupe et prochainement d'ailleurs avec un projet en partenariat avec Joachim aux Philippines. Voilà, et après j'aurai terminé. Une seconde, parce qu'on voit une cloche là, ce qui paraît bizarre, et je me rends compte qu'en fait, cette cloche, quand on relâche les poissons, on la met pendant 24 heures. Pendant une nuit, les poissons passent une première nuit sous cloche pour retrouver
les odeurs, les bruits et de l'écosystème naturel avant de repartir et d'intégrer les populations naturelles. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Merci Gilles Lecaillon qui nous montre que l'homme, s'il s'y attelle, peut réparer. Et pour terminer, last but not least, Franck Zal, président des Marina, qui va nous expliquer sa trouvaille fabuleuse. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Merci en fait à l'Obs. Merci à l'Institut océanographique de Monaco de me donner l'opportunité en fait de présenter cette trouvaille. Donc en fait moi ce que je vais vous présenter, alors c'est vrai start-up. Nous ça fait 13 ans donc on n'est plus vraiment start-up. Mais en fait comme je disais tout à l'heure, ça demande du temps en fait pour arriver en fait jusqu'à ces innovations. Donc je vais vous parler en fait de mon aventure. Moi j'ai passé 15 ans en tant que chercheur au CNRS à la station biologique de Roscoff où je m'intéressais alors pas à des poissons mais à des vers marins. Pourquoi des vers marins? Tout simplement parce que je faisais de l'écophysiologie et j'essayais de comprendre comment des vers étaient capables de respirer, notamment entre la marée haute et la marée basse. Ça n'a intéressé personne à l'époque. Et vous allez voir qu'avec une question de recherche fondamentale, on a fait une découverte majeure puisqu'on a trouvé l'ancêtre de nos globules rouges chez un vers marin. Il y a une personne qui est bien connue ici, c'est le commandant Cousteau. J'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un peu grâce à lui en fait, que je l'ai fait toute cette carrière. En fait, je l'ai rencontré quand il présentait son film sur le Danube à Paris, à l'Institut océanographique. Et je lui demandais, mais monsieur Cousteau, comment on fait pour devenir comme vous? Et il me dit, bah, écoutez, si vous êtes bon, vous allez faire une maîtrise d'océanographie, un DEA, une thèse, et puis peut-être que vous rentrerez au CNRS. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi ça comme une feuille de route. J'ai réussi en fait, à rentrer, en fait, à devenir docteur en biologie marine. J'ai intégré le CNRS. J'ai navigué sur la plupart des océans, plongé pour aller récupérer des vers géants qu'on trouve au niveau des sources hydrothermales. Et finalement, il y a cette approche en fait, de recherche fondamentale m'a amené à me poser des questions sur ces chiffres qui sont ici sous vos yeux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 100 millions? Il manque aujourd'hui dans le monde 100 millions de litres de sang pour satisfaire les besoins de la population mondiale. C'est énorme. Il y a aussi en fait 23 828 personnes. C'est le nombre de patients qui attendent un organe en fait en France. Et cette liste augmente de 1000 patients tous les ans, en sachant qu'aujourd'hui, on jette un greffon sur deux. 30 secondes, c'est en fait, il y a une amputation en France, dans le monde. Toutes les 30 secondes, on a parlé du diabète lié à un problème qu'on appelle le syndrome du pied diabétique, où finalement, on va amputer les patients pour éviter la gangrène. Et tout ça, en fait, le dénominateur commun, c'est l'oxygène. L'oxygène qui va oxygéner au niveau des globules rouges, qui va apporter cette source d'énergie en fait, pour cicatriser. Et finalement, donc, on a été très tôt en fait, focalisé sur cette question de transport d'oxygène. Et ça, je mis ça parce qu'on parlait de 5 prix Nobel qui ont travaillé en fait, sur les organismes marins. Ici, j'ai eu la chance en fait, de rencontrer Peter Radcliffe, avec qui en fait, on va faire une conférence prochainement en fait, à Oxford. Peter Radcliffe a eu le prix Nobel sur un mécanisme qu'on appelle IF. En fait, il a déterminé, il a vu que chaque cellule était capable de sentir la concentration d'oxygène et de s'adapter en fait, à cette concentration d'oxygène. Et en fait, il est extrêmement intéressé par ce qu'on fait, puisqu'en fait, on va pouvoir maintenant tester ce qu'il a démontré en fait, dans ces mécanismes que l'on appelle IF. Donc ça, c'est notre dénominateur commun. On a tous des globules rouges ici dans cette salle. Par contre, les globules rouges contiennent une protéine qui transporte l'oxygène. Notre différence, finalement, c'est notre typage sanguin. ABO, rhésus positif ou négatif, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plus de 350 groupes sanguins différents. Et à l'intérieur, il y a une protéine qui est un fer qui va lier l'oxygène. Et moi, je me suis intéressé en fait à ça. Vous avez certainement vu tout ça, toute cette trace en fait en vous baladant sur les plages de l'Atlantique, en fait entre la mer du Nord et Biarritz. Il y a cette trace. Et moi, je me suis intéressé à essayer de comprendre comment le ver qui colonise en fait, qui crée cette trace, était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Et je peux vous dire que quand je disais ça au démarrage, mais ça faisait rire tout le monde. Et donc finalement, c'était une approche de recherche fondamentale classique. Il y a un ver en fait qui est en dessous, qui s'appelle l'Arenicola marina. Chez nous en Bretagne, on l'appelle le busug. On l'utilise pour la pêche. Et moi, je l'ai étudié en fait juste pour essayer de répondre à cette question de recherche fondamentale. En fait, chez ce ver, j'ai trouvé cette molécule qui est une hémoglobine extracellulaire. En fait, c'est l'ancêtre de nos globules rouges.
Le ver n'a pas de typage sanguin, il n'a pas de globules rouges, il n'a pas de sucre à la surface de cette cellule. Et en fait, à l'origine, nos globules rouges donnaient ça. C'était une hémoglobine, une nanoparticule qui était composée de 156 chaînes de globine, des chaînes de structure, mais quelque chose de relativement simple. Et quand on regarde cette molécule, on trouve quasiment 99% d'homologie avec l'hémoglobine humaine. Et donc, ce n'est pas étonnant puisque vous savez tous qu'on vient de l'océan. Ça, j'aime bien cette photo, puisque en fait, l'arénicole, c'est quand même 450 millions d'années. Ça fait 450 millions d'années que ce ver est à la surface de la Terre sur les plages. J'ai mis cette photo parce que l'homme, c'est uniquement 3 millions d'années. Donc, notre ancêtre commun, qui était notamment Lucie, 3 millions d'années. Et donc, vous voyez, même entre 450 millions d'années qui nous séparent de ce ver marin, on a une extrême conservation en fait, de la structure de cette molécule. Donc, ces vers, je les ai ramenés au laboratoire, je les ai étudiés. Alors, bien évidemment, quand on parle en fait d'un projet industriel, on ne va pas aller défauner toutes les plages de Bretagne. Donc, en tout cas, j'ai mis en place une ferme d'élevage à Noirmoutier. Donc, on élève ces vers. On est capable de faire 30 tonnes à l'année d'arénicole. On reproduit la plage en fait dans ces grands bassins. Et cette molécule, en fait, on extrait cette molécule de ces vers marins et on en fait des différents produits. Aujourd'hui, cette molécule, en fait, c'est une plateforme technologique. On développe en fait des produits dans la culture cellulaire, dans la préservation d'organes, dans la transfusion sanguine pour transfuser en fait les patients dans certaines pathologies ou en fait en faisant des pansements pour éviter en fait l'amputation. Ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une molécule extracellulaire, aujourd'hui, on est capable de faire du sang en poudre. C'est-à-dire que quand vous donnez votre sang, vous avez la poche de sang qui est rouge. En fait, cette poche de sang peut être gardée 42 jours à 4 degrés. Et donc, avec les problèmes de typage sanguin, etc. Alors qu'aujourd'hui, nous, en fait, on est capable de lyophiliser cette molécule. Dans ce petit flacon, il y a l'équivalent en fait, d'une poche de sang, 5 ans de date de péremption et donc pas de typage sanguin pour utiliser cette molécule. Donc, on a développé les premiers produits. Ça, c'est Hemodelive. C'est un produit qu'on utilise dans la greffe d'organes qui permet... Au lieu de garder quelques heures un organe, on peut le garder plusieurs jours, tout simplement en mettant cette molécule dans les solutions de préservation de greffon. Ça, c'est la mise en œuvre en fait, du produit dans un bloc opératoire. Vous avez en fait, ce petit flacon qui est branché à une poche dans lequel on va perfuser le greffon donc quand on va le prélever chez le donneur. Vous voyez ici un foie qui a été prélevé en fait, avec les conditions classiques. Vous voyez la couleur en fait, du foie. Et ici, en fait, avec la solution Hemodelive, en fait, le chirurgien il nous dit, même dans le bocal, ça fonctionne. Et ce n'est pas du tout magique. On a compris comment donner de l'oxygène physiologique au greffon. Le dernier exemple que je vous montrerai, c'est celui-là. Donc, on a participé en fait, à une première mondiale qui est en fait, la deuxième greffe du visage en fait, chez un patient qui a été fait par le professeur Lantieri. Donc, en fait, il nous a... sollicité pour avoir le produit. Et aujourd'hui, en fait, le professeur Lantieri utilise en fait, Hemodelive dans toutes ses transplantations, tout simplement parce qu'il dit qu'aujourd'hui, ça serait terrible de perdre des greffons. Aujourd'hui, il faut savoir que sur cette liste d'attente, en France, 500 personnes décèdent par an, alors qu'on sait qu'on perd 50% des greffons. Et donc, c'est inadmissible en sachant que l'on a des solutions pour conserver ces greffons. J'ai mis cette photo tout simplement parce que Jérôme Hamon, qui est la personne qui a eu cette greffe de face, est venu remercier en fait, l'ensemble des collaborateurs des marinas. Et puis j'aime bien ça, la vie est belle. Il a passé en fait, quasiment à côté de la mort. Il est resté 3 mois sans visage en attendant un greffon, donc une face. Et il va bien aujourd'hui. Et donc on est en contact régulier avec lui. Et je terminerai sur cette slide qui est en fait pourquoi il faut protéger la biodiversité. La biodiversité, ce n'est pas uniquement un effet de mode, on parle de biodiversité, de protéger les océans, etc. Pour moi, la biodiversité, c'est vraiment quelque chose de crucial que l'on doit protéger tout simplement parce que ici, par exemple, vous avez une bibliothèque, ça peut être dans cette belle salle, une bibliothèque, et vous avez froid, vous avez une boîte d'allumettes, vous avez une cheminée, et qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Brûler les livres pour chauffer la pièce. Puis à un moment donné, vous n'allez plus avoir de livres, vous allez brûler la bibliothèque, il n'y aura plus de bois. Et puis finalement, vous vous posez la question, mais est-ce que finalement la solution pour faire du feu n'était pas dans les bouquins que je devais lire plutôt que de les détruire? Donc vous voyez, la biodiversité, ce n'est pas simplement en fait, un effet de mode, ça peut apporter énormément en fait, de potentiel, notamment ici dans le domaine de la santé. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et j'ai une question pour vous. J'ai lu que vous aviez proposé vos produits pour traiter les malades du Covid, ou de la Covid plus exactement, en détresse respiratoire. Est-ce que votre proposition a été entendue? La solution a été entendue dans un premier temps. Ensuite, en fait, elle a été torpillée par les grands laboratoires. Donc, ils voyaient m'arriver d'une façon en fait, assez délicate. En fait, vous avez bien suivi toute cette période du Covid. Moi, j'étais en première ligne avec les réanimateurs de Georges Pompidou et de la Salpêtrière. C'est une véritable guerre.
celui qui allait passer son médicament pour gagner des milliards. On a été torpillé par une société pharmaceutique. Et juste pour vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 essais qui vont démarrer sur le Covid dans 2 hôpitaux français. Et il y a un essai qui a été déposé aux États-Unis pour utiliser cette molécule comme respirateur moléculaire dans un essai qui va être managé par Harvard Medical School, en fait, à Boston. Donc, tout espoir n'est pas perdu. Ah non, non, au contraire. Bon. Alors, écoutez, j'aurais aimé vous redonner la parole, mais nous avons dépassé largement le temps qui nous était imparti. Il me reste à remercier tous nos intervenants qui ont été excellents, chacun à leur poste et avec leur spécialité. Je vous remercie, vous, pour bien sûr votre attention. Et je vous indique que la soirée n'est pas terminée. L'exposition Immersion, donc, qui est une plongée virtuelle dans les océans, dans les merveilles de l'océan, vous attend à la sortie, à droite, à la sortie du musée. Exceptionnellement, l'exposition est ouverte et vous pouvez la visiter en sortant de cette salle. Voilà, merci à l'Institut océanographique et merci à vous tous. Bonne soirée.